Bonsoir à tous. Ah, ça y est, on est parti, désolé. Bon, bonsoir à tous, il est 20h05, nous sommes le vendredi 5 mars 2021, je suis Philippe Fabry, et avec moi Guillaume, qui heureusement me rappelle à l'ordre alors que j'étais en train de réviser mon conducteur. Comment vas-tu, Guillaume? Très bien, merci. Bonsoir à tous et bonsoir Philippe. Alors, c'est une émission que je vous ai préparée jusqu'au dernier moment, hein. Vous allez le voir parce que c'est une émission qui va être, je pense, très intéressante. Avant de vous dire de quoi il va être question, je vous rappelle les consignes générales de l'émission. Je vous remercie de mettre des pouces bleus pour indiquer que cette émission vous plaît. Certains, je sais, le font à peine arriver sur l'émission et je les en remercie. C'est une excellente habitude. Et si habituellement vous êtes content, vous pouvez les mettre et ne les enlever que si ça vous a pas plu, bien sûr. Partagez-nous sur les réseaux sociaux, appelez vos amis qui auraient oublié que l'émission était ce soir afin qu'ils soient là en direct pour profiter de ce moment avec nous et de pouvoir notamment nous poser leurs questions, questions qui me seront relayées pendant l'émission par Guillaume, si elles ne sont pas trop éloignées du sujet, sinon elles seront reléguées en fin d'émission comme d'habitude. Et nous poursuivons notre série de vidéos prospectives à travers lesquelles nous essayons de voir donc le futur. Alors, programme un petit peu différent de ce qui était prévu aujourd'hui néanmoins, puisque nous avons fait une première émission sur la guerre à venir, la grande confrontation géostratégique. Nous avons ensuite fait une émission sur l'émergence et la décadence de l'Empire américain, qui était notre dernière émission, et je devais en faire une troisième sur le millénaire qui suivrait en gros. Je suis revenu sur cette idée parce que, en fait, déjà, j'ai eu une semaine de congé, donc j'ai eu beaucoup plus de temps pour préparer la vidéo que d'habitude, et j'ai réalisé qu'il allait y avoir trop de choses à dire pour en faire une seule émission. Soit elle serait trop grosse, trop longue, et quand c'est trop long, il y a un moment où je fatigue et c'est moins intéressant à l'exposer, je pense. Et puis surtout, j'aurais été obligé de passer trop vite sur certains points, donc pour pouvoir traiter complètement tous les aspects des questions que je veux mentionner. Nous allons commencer aujourd'hui par le thème qui a été celui annoncé, c'est-à-dire le nouveau Moyen-Âge, et ensuite, dans l'émission prochaine, nous traiterons de la période suivante, donc de la deuxième moitié de ce millénaire et demi qu'il nous faudra décrire. Et je pense que la plupart d'entre vous seront contents que le triptyque devienne un quadriptyque, puisqu'apparemment, ces émissions bonbons, comme je les ai appelées, qui utilisent tout le travail qu'on a fait avant pour faire essentiellement des projections, et semble-t-il un format qui vous plaît. Donc autant aller au maximum dans le détail. Et bien, je vous propose de commencer tout de suite à ce moment-là. Et avant de rappeler les principaux points de l'émission dernière, pour que vous sachiez où est-ce qu'on est arrêté, hein, comme la dernière fois j'avais fait les rappels de la guerre avant d'expliquer l'émergence de l'Empire américain et puis son déclin, cette fois-ci je vais faire quelques rappels, mais d'abord je vais vous expliquer pourquoi et de quel droit et dans quel but. Je pense qu'on peut prévoir sur un millénaire et demi comme ça la suite de ce qui va arriver, avec quelques petits rappels des émissions qu'on a fait précédemment sur l'historionomie et ses possibilités. Alors, je propose à Guillaume d'afficher notre première image sur les âges cycliques. Voilà, ça c'est une petite infographie simplissime que vous trouvez sur mon site. Alors, vous savez que la chronologie usuelle, celle qu'on apprend en histoire, et celle que vous trouverez sur Wikipédia si vous cherchez, je ne sais plus quel est le nom de l'article, mais ça doit être chronologie ou les époques en histoire. C'est l'Antiquité pour tout ce qui est antérieur à la chute de l'Empire romain, 476. Donc, en général, ça commence vers, on va dire, moins 3000 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire les tout débuts, on va dire, des civilisations les plus anciennes, notamment la civilisation égyptienne. Ensuite, il y a donc le Moyen Âge, hein, ce Moyen Âge qui en fait sépare la chute de l'Empire romain, c'est-à-dire la fin de l'Antiquité, de l'émergence du monde moderne, dans ce que l'on appelle précisément les temps modernes, qui commence à la fin du XVe siècle. La date est un petit peu incertaine, enfin, de toute façon, il n'y a pas de date certaine, puisque par définition, c'est une convention intellectuelle. Mais disons que la date oscille entre 1453, qui est à la fois
la chute de Constantinople, donc ce qui restait de l'Empire romain à l'Orient, et aussi la fin de la guerre de Cent Ans, qui est le grand conflit terminal du Moyen-Âge, et emblématique, quelque part, avec les croisades, hein, c'est les deux grands événements emblématiques, stratégiques, la guerre de Cent Ans et les croisades. Et la deuxième date, c'est 1492, parce que c'est évidemment la découverte du Nouveau Monde, vous le savez, mais c'est également l'expulsion définitive de l'islam de l'Europe occidentale, par la Reconquista espagnole, avec la prise de Grenade. Donc, passé cette date-là, donc on entre dans les temps modernes. Les historiens qui étudient après cette période sont qualifiés de modernistes. Hein. Moi, j'ai fait ma thèse sur un auteur du XVIe siècle, Pierre Rebuff, qui est né en 1487 et qui est mort en 1557. Eh bien, je suis un historien moderniste parce que j'étudie quelqu'un qui a écrit au temps moderne. Donc, on peut avoir l'impression que c'est extrêmement loin, mais c'est déjà historien moderniste. Historien médiéviste, c'est quand vous allez encore plus haut. Et à partir de 1789, c'est ce qu'on appelle l'époque contemporaine, hein, même si on n'est pas aujourd'hui contemporain de la Révolution, bien sûr, mais tout simplement parce que cette appellation est apparue au début du 19e siècle, c'est-à-dire à l'époque pour laquelle, effectivement, quand il parlait, c'était l'époque contemporaine. Cette explication est restée, et depuis, nous sommes encore dans ce qu'on appelle l'histoire contemporaine. Et parmi les historiens, il y a une grande blague qui veut que après 1789, c'est du journalisme. J'aime bien les blagues méprisantes d'historiens comme ça. Alors, donc moi ce que je propose, du coup c'est une chronologie qui est purement empirique finalement, et qui pose certains problèmes, c'est que c'est justement qu'elles sont empiriques, et elles sont européano-centrées, puisque c'est par rapport à l'histoire européenne quelque part que tout ça se décrit. Ça parle peu finalement des autres civilisations, ça parle un peu d'islam avec l'expulsion de l'islam en 1492, mais si on considère qu'il y a quelque chose comme le Moyen-Âge en islam, est-ce que c'est ça les bonnes dates? Pas forcément. Donc c'est une chronologie qui n'a pas véritablement de sens universel. Et donc moi ce que je propose, à travers les travaux, ce que permet de voir l'historionomie justement, je vous parle de ces cycles de 1500-1600 ans, c'est de faire une chronologie qui est pratiquement mondiale, ou en tout cas qui pour chaque époque concerne l'essentiel du monde civilisé, c'est-à-dire d'un certain degré de civilisation, et à ce moment-là, on compte un âge cyclique, enfin ou un âge tout simplement, donc il y aurait eu un premier âge, un deuxième âge, et nous serions aujourd'hui dans le troisième âge, et nous irions vers le quatrième âge. Alors ça va peut-être vous étonner, parce que je ne vous ai parlé généralement que dans mes comparaisons astronomiques, que de deux étapes. Par exemple les Grecs et les Européens, les Romains et les Américains, l'islam et le judaïsme antique, etc. C'est parce que je ne vous ai pas encore parlé de choses sur lesquelles les traces sont plus faibles, mais où on voit qu'il y a eu également le cycle de 1600 ans qui s'est déroulé. C'est l'époque de ce que j'appelais dans l'histoire du siècle à venir l'époque des cycles zéro, hein, c'est-à-dire c'est la première étape, la proto-étape on va dire, parce que tous les rapports entre les civilisations ne sont pas là au même degré qu'ils sont où ils sont apparus dans la précédente étape et où on les a retrouvés dans l'étape moderne. C'est l'époque pour la civilisation A, c'est la civilisation crétoise, la civilisation minoenne. Tu peux m'afficher s'il te plaît les cycles A, que les gens le voient, vous voyez. Il y a une toute première étape qui était la civilisation minoenne, civilisation de Crète, qui est l'ancêtre, on va dire, la civilisation A, avant la Grèce. On a le même phénomène pour la civilisation B, dans son rapport avec la civilisation A. Tu peux me la mettre, B, s'il te plaît. Dans son rapport avec A, que toujours la civilisation BA, qui était l'empire mycénien, qui est arrivé juste après, qui est à la fois influencé d'abord, puis ensuite conquérant de la civilisation minoenne. On voit également la même chose pour les cycles D, avec cet empire du cœur du monde en rapport avec les autres, qui est assimilable à l'empire hittite à l'époque. Et pour l'ancêtre du judaïsme et de l'islam, ce serait pour moi
On en trouve des traces dans tout le récit de la Genèse pré-Moïse, si vous voulez, toute l'histoire abrahamique notamment, puisqu'Abraham apparaît en fait comme une première figure similaire à, avec le parcours similaire de Moïse et de Mahomet. Mais ce qu'on va faire, c'est que je ferai, après la prochaine émission qui sera consacrée à la suite de celle-ci, je vous ferai une émission consacrée au cycle zéro, et donc ceux qui verront notre émission actuelle plus tard pourront s'y référer, et ceux qui sont en train de la regarder, ou qui la verront avant qu'elle soit faite, sauront qu'il faudra l'attendre pour avoir des précisions sur tout ça. Simplement sachez que ça existe. Et j'en reparlerai un petit peu peut-être pour affiner certaines prévisions plus tard. Donc si on peut revenir à la chronologie, s'il te plaît Guillaume, ça veut dire que vous avez un premier âge qui commence avec le début donc, de la civilisation minoenne et qui est contemporain de l'apparition de l'abrahamisme, puisqu'on a une date approximative sur l'existence historique d'Abraham. C'est donc entre le 20e et le 19e siècle avant Jésus-Christ. On a un effondrement systémique dont je vous avais, je crois, parlé, quand je vous avais parlé de la naissance du judaïsme dans la troisième émission, qui était un effondrement systémique du monde de la Méditerranée orientale, qui était le monde civilisé de l'époque, au 11e siècle avant Jésus-Christ, 11e, 12e siècle avant Jésus-Christ, plutôt 12e, 11e siècle, c'est dans cet ordre-là. À ce moment-là, vous avez un effondrement systémique, la disparition de tous les grands empires, sauf l'Égypte, mais qui rentre quand même dans une période de troubles, donc en particulier la chute de l'Empire mycénien, qui était la civilisation B de l'époque, sur les ruines de laquelle naîtra la civilisation grecque, et l'apparition du judaïsme mosaïque, donc je le disais à l'instant. On a ensuite une progression sur le modèle normal du cycle, ça c'est ce qu'on l'a vu dans les précédentes émissions, donc la Grèce antique, l'islam, le judaïsme antique, la Rome antique et les empires perses, les empires orientaux. Tout ça nous mène au 6e, 7e siècle, nouvelle phase d'effondrement systémique de la civilisation, où tout se casse la figure. L'Empire romain, donc la civilisation B, s'effondre. Les empires orientaux aussi, puisque les empires des Sassanides s'effondreront. L'Empire byzantin est réduit à peau de chagrin dès le 8e siècle. Donc, c'est à ce moment-là qu'apparaît l'islam. C'est sur les ruines de l'Empire romain que va naître la civilisation européenne. Et donc ça, c'est le début du troisième âge, qui est l'âge dans lequel nous sommes actuellement. Ce troisième âge qui prendra fin avec la chute de l'Empire américain, qui se fera dans le cadre d'un effondrement systémique mondial, duquel on va reparler juste après. Donc on verra la chute de l'Empire américain, le début de la civilisation, alors je disais asiatique, mais on va voir que j'ai réfléchi à une alternative, ça ne change pas grand chose sur le fond, mais vous verrez que ça peut ne pas être exactement la même configuration, et l'apparition de ce que j'ai appelé le néo-islam, qu'on pourrait aussi appeler un néo-mosaïsme, hein, ou un néo-judaïsme de l'Antiquité, puisque c'est à chaque fois le même type de religion, j'aurais pu dire un néo-abrahamisme aussi, puisque c'est ça le fond commun de toutes ces religions. Alors, donc ça, ce sera ce quatrième âge qui va apparaître. Alors, et qu'est-ce que ça donnera dans les grandes lignes? Tout simplement, mais je vous rappelle les apports de l'historionomie qu'on a aujourd'hui et qui dictent la façon dont se fait l'efflorescence d'un âge, comment se passe un âge en entier. C'est, vous avez donc d'abord, à la base, soit rien du tout, comme c'était la base du premier âge, soit un effondrement qui ramène pratiquement tout le monde à rien du tout, à un éclatement complet. Vous avez donc une remise à zéro civilisationnelle et un chaos sur l'essentiel des parties du monde anciennement civilisé. Et première étape, ce chaos donc fait éclater la puissance publique partout, fait naître des royaumes dits barbares, dans le sens où ils ne sont plus civilisés, qui reviennent à un régime essentiellement féodal, je vais expliquer pourquoi plus tard. Et là-dessus, vous avez ce chaos fait apparaître, je renvoie pour avoir la mécanique, le détail, je renvoie à la troisième émission sur l'islam et le judaïsme. Là-dessus, donc, va apparaître un ou plusieurs monothéismes politiques. D'ailleurs, vous avez aussi, hein, je vous rappelle, de vous abonner à ma chaîne personnelle sur laquelle Guillaume fait un gros travail d'édition des vidéos pour mettre des morceaux thématiques en particulier. Vous en avez une sur le monothéisme politique, donc vous pouvez aller directement la voir, c'est peut-être plus simple.
Donc, Et je précise aussi que si un jour Radio Athéna venait à disparaître de YouTube, tous les épisodes du Rendez-vous de l'Histoire en Mouvement seront republiés dessus. Voilà, c'est important, même dans le cadre d'un effondrement systémique que nous prévoyons. Donc, un ou plusieurs monothéismes politiques qui peuvent apparaître, alors, qui n'apparaîtront pas simultanément, parce que, pour des raisons que j'avais expliquées à l'époque, il y en a un qui apparaît en même temps, et par zone d'effondrement, donc il n'y a eu que le judaïsme pour l'Antiquité. Pour la période moderne, il y en a eu deux. Il y a eu le christianisme constantinien. Je renvoie à la vidéo mentionnée sur l'islam pour avoir le détail. Et plus tard, l'islam de Mahomet, qui sont tous les deux séparés par 3 siècles. Et qui sont d'une ère géographique différente, puisque le christianisme constantinien, véritablement comme monothéisme politique, hein, j'insiste là-dessus, est apparu en Méditerranée occidentale, alors que au moment où elle s'effondrait, alors que la Méditerranée orientale, elle ne s'est vraiment effondrée qu'au 7e siècle, et donc c'est à ce moment-là qu'est apparu le monothéisme musulman. Donc ils n'apparaissent pas nécessairement en même temps. Si le monothéisme apparaît là où naîtra une civilisation A, il sera englobé dans la civilisation A, comme l'a été le christianisme, et il ne formera pas une civilisation C. En revanche, il y a déjà une civilisation A qui existe, qu'elle contienne un monothéisme politique ou pas, ce qui était le cas dans l'Antiquité, il n'y avait pas de monothéisme politique en Grèce, mais ça a été la Grèce, la civilisation A, et le judaïsme qui était apparu en Palestine est devenu la civilisation C. Donc vous voyez, c'est très important de se souvenir de ça, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de sélection naturelle dans l'historionomie. C'est le premier qui arrive à créer quelque chose, ou à atteindre un certain stade, qui gagne tout. Et donc c'est la première ère civilisationnelle qui devient une civilisation A, qui sera la civilisation A de son temps. Et s'il y a une autre ère qui est en retard sur cette civilisation A, elle finira colonisée, etc., donc elle ne suivra pas son chemin normal, elle subira une intervention extérieure, et donc on n'aura pas deux civilisations en même temps, d'accord? C'est winner takes all. Et donc ça c'est vrai à tous les étages, hein, puisque je vous avais dit que dans le cadre de l'apparition d'un monothéisme politique, c'est le cas pour le prophète qui apparaît et qui s'impose à tout le monde, c'est lui qui prend tout et qui devient le prophète du monothéisme politique, même si à la base il y en a plein qui sont en concurrence, c'est pareil pour les civilisations. Donc la première sera la civilisation A, et celle qui réussira à devenir une civilisation A, je vais y revenir après, mais c'est celle qui apparaîtra là où les conditions géographiques sont les plus favorables à l'émergence d'une civilisation A. Et je vous rappelle que les conditions géographiques favorables à l'apparition d'une civilisation A, c'est une forte thalassographie articulée, c'est-à-dire un rapport très favorable entre la longueur des côtes et la taille, la surface du continent. Si vous regardez la Grèce et l'Europe, ce sont des endroits les plus morcelés, les plus déchiquetés de leur aire géographique, et donc ça favorise l'apparition d'une multitude d'entités politiques avec des frontières stables grâce au relief et qui peuvent facilement commercer entre elles grâce à la mer. Donc si vous faisiez une sorte de programme de simulation, si vous voulez, où vous fabriquiez une carte aléatoire avec et que vous mettiez toute la civilisation dans un état de chaos, et que vous attendiez de voir où ça apparaît, la civilisation A, elle apparaîtra forcément là où le territoire est le plus déchiqueté, pour autant que la population soit uniformément, ou à peu près uniformément, distribuée. Donc c'est cet endroit-là que la civilisation A va arriver, parce que, comme les États ont des frontières stables et qu'ils ne se perturbent pas entre eux, ils peuvent tous faire leur cheminement interne de construction nationale, sur lequel là aussi il y a une vidéo que vous pourrez aller voir si vous en souvenez pas, si vous en souvenez c'est très bien, la fonction dont se fait la trajectoire de construction nationale de la féodalité jusqu'à l'État-nation parlementaire puis démocratique. C'est cette État-nation parlementaire puis démocratique qui permet... alors d'abord, au cours de sa construction, d'avoir une série de crises qui vont favoriser le phénomène de colonisation, et ensuite, une fois qu'on a cet état-nation parlementaire, ça amène au pouvoir une classe qui est essentiellement une classe de marchands qui va rechercher des débouchés, donc ça favorise le mouvement véritable de colonisation de l'ensemble de l'ère civilisationnelle.
Et ça favorise aussi la mobilisation des ressources nationales dans une telle mesure et avec un tel progrès technologique que ça permet de conquérir la totalité du monde. C'est comme ça qu'une civilisation là, en favorisant l'émergence d'une multitude d'États concurrents, mais qui font chacun leur cheminement vers l'État-nation, ou en tout cas une bonne partie d'entre eux, devient maîtresse du monde, que ce soit les Grecs ou les Européens. La civilisation C, j'ai rappelé comment elle apparaît. Il y a ensuite la civilisation D qui, elle, apparaîtra dans l'espace qui est le cœur du monde. Je renvoie à l'émission que j'avais fait sur Erdogan, c'est là qu'il y a tout le développement, ou encore aux vidéos découpées par Guillaume sur ma chaîne, dans lequel j'explique que la civilisation du cœur du monde, c'est justement au contraire, c'est ce grand espace qui généralement est l'espace eurasiatique, dans lequel il n'y a pas de thalassographie articulée et qui est favorable à l'émergence d'un gros, très gros empire qui sera un ennemi de A et qui arrivera jusqu'à sa frontière. Et c'est en limite des deux qu'apparaît ce que j'appelle une civilisation E, c'est-à-dire qui est proche civilisationnellement de A, mais qui doit pendant longtemps lutter contre E et contre D, et qui en tire certains aspects culturels. C'est le cas de la Macédoine dans l'Antiquité, c'est le cas de la Russie à l'époque moderne. La Russie qui, vous le savez, a été longtemps soumise aux Turco-Mongols, cependant que la Macédoine, elle, a été pendant longtemps une sorte d'état vassal, même si elle n'était pas proprement annexée, mais une sorte d'état vassal des empires achéménides. Alors, ensuite, plus tard, c'est-à-dire au moment de la phase de colonisation, apparaît ce qu'on appelle une civilisation B, donc qui est une excroissance de A, mais qui apparaît plus loin, en faisant ce que j'appelle une révolution indépendantiste, et en la faisant sur un territoire qui soit suffisamment éloigné de A et isolé pour permettre l'apparition d'un gros État. Et ça, c'est un élément important encore, parce que ce qu'il faut voir, donc je termine sur la civilisation B, cette civilisation B, donc ensuite, deviendra une très grande puissance, de taille supérieure à la civilisation A prise dans son ensemble, hein. L'Italie romaine était plus peuplée, plus importante que toute la Grèce, hein, prise ensemble, et les États-Unis aujourd'hui sont plus peuplés et plus puissants que la totalité de l'Europe, en tout cas de l'Europe occidentale, c'est-à-dire de l'Europe historiquement maîtresse du monde, on va dire. Et donc c'est cet empire à son tour qui ensuite s'étend sur l'ensemble du monde et qui s'effondre. Voilà, donc là vous avez résumé assez rapidement la totalité de la mécanique sur 2000 ans et pourquoi c'est une mécanique en fait. Donc ce dont je voulais parler donc sur B, ce qui caractérise aussi B, c'est que B favorise l'apparition d'une transition d'échelle. Parce que si vous regardez entre tous les âges, il y a une chose qui est assez évidente, c'est que l'échelle s'accroît. C'est-à-dire qu'on passe d'une civilisation qu'on appelait la civilisation des palais dans le premier âge, hein, les palais crétois, la civilisation, l'administration palatiale. Ensuite, on passe aux cités-états de la Grèce, qu'on avait vu dans l'émission sur l'Europe. Et ensuite, on passe aux états territoriaux, qui sont les états-nations. Et les États-Unis, l'émergence des États-Unis, nous fait entrer dans le monde de demain, qui sera le monde après la chute de l'Empire américain, qui est le monde des pays quasi-continentaux, ou en tout cas ce qu'on peut appeler des super-pays, c'est-à-dire des pays qui sont d'une échelle considérablement plus grande que la taille standard des États européens, hein, puisque vous voyez, les États européens font à peu près tous la même taille, ils sont du même ordre de grandeur en tout cas, et avec les États-Unis, on passe un cran au-dessus. Et aujourd'hui, ou les puissances d'aujourd'hui de demain, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil, c'est-à-dire des pays à plusieurs centaines de... C'est encore un peu la Russie. C'est-à-dire des pays à plusieurs centaines de millions d'habitants, et avec une taille considérable. D'accord ? Bon. Alors tout ceci paraît un petit peu théorique, mais c'était le rappel, parce que c'est ça en fait, c'est ce modèle-là, très rapidement résumé, qui se passe lors de chaque âge, et qui va... C'est ce modèle-là qu'on va projeter en fait à partir de maintenant, pour voir ce qui va se passer dans les plus de 1500 ans qui viennent, puisqu'on va reprendre un petit peu ce qui se passera pendant la chute de l'Empire américain. Alors, est-ce que tu peux me réafficher l'Empire américain, que tout le monde se souvienne ce que c'est ? Voilà. Je vous rappelle un petit peu ce qu'on avait dit la dernière fois. On a évoqué cette,
cette évolution, cette apparition de l'Empire américain après la grande confrontation mondiale qui va y avoir, entre ceux qui sont encore, on va dire, les réfractaires à l'ordre américain sur le monde, la Chine, la Russie, l'Iran. Donc de cette confrontation de sortir un ordre mondial encore plus dominé par les États-Unis et leurs alliés, mais dans lequel il y aura un ennemi qui sortira de cette guerre, d'ailleurs qui sera favorisé par l'apparition de cette guerre ou de cette confrontation géostratégique, même si elle reste froide, qui sera un empire pan-turc, pan-islamiste, ou à prétention pan-islamiste, et qui ne sera pas la seule puissance extérieure à l'Empire américain, vraisemblablement, puisqu'on peut s'attendre à ce que l'Inde, elle, reste indépendante aussi, et comme elle sera de plus en plus peuplée, puisqu'on s'attend à ce que, et sauf catastrophe nucléaire entre les deux pays, que sont la Chine et l'Inde, il devrait être à peu près 1,7 milliard, 1,8 milliard au mi-temps du 21e siècle, donc dans 30 ans en fait, hein. Ce qui serait donc une population encore bien plus considérable qu'aujourd'hui, et bien plus considérable même que la Chine aujourd'hui, qui aura baissé à ce moment-là. Donc ça sera véritablement le centre de gravité démographique du monde de l'Inde. Encore plus si vous prenez l'espace pakistanais avec, parce qu'à ce moment-là, ça vous fera plus de 2 milliards d'habitants. Hein. Donc c'est véritablement considérable. Et puis bon, en même temps, à ce moment-là, vous aurez pratiquement 2 milliards d'habitants en Afrique aussi, vous aurez des pays qui seront complètement surpeuplés, comme le Nigeria, et qui auront des flots de population, donc qui devront émigrer ailleurs. Donc vraisemblablement, ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est qu'il y aura probablement au moins une autre confrontation autour des années 2060 entre cet empire pan-turc et l'Amérique et ses alliés, qui se terminera probablement par une victoire de l'Amérique et la fin de l'islam comme religion politique, hein. Il en restera quelque chose, comme il reste aujourd'hui quelque chose du judaïsme de l'Antiquité, mais c'est pas la même chose. Une religion humiliée, une religion qui redevient beaucoup plus spirituelle. Dans le même temps, l'ordre économique de l'Empire américain sera de plus en plus intégré et de plus en plus centralisé, de plus en plus planifié, sans doute à des motifs soit de pandémie, soit de changement climatique, enfin tout un tas de raisons comme ça, ou tout simplement pour faire face aux problèmes économiques eux-mêmes qui naîtront de ces difficultés, de la rareté de certaines ressources. Une évolution assez navrante, je vous l'avais dit, probablement on y aussi au point de vue du droit, avec, je vous avais parlé à Rome de l'apparition de la distinction entre honestiores et humiliores, c'est-à-dire les pauvres versus les riches, en même temps que la condition d'esclave et la condition de citoyen convergeaient plutôt vers le bas que vers le haut. Donc, il y aura une disparition de la démocratie américaine au profit d'une dictature socialisante, hein, donc tout simplement, qui commencera à ressembler à ce qu'il y a en Chine aujourd'hui, hein, ou à ce qu'il y avait en URSS sous Brejnev. Donc avec un nouvel ordre sociopolitique qui aura un pouvoir central qui sera un état policier, avec droit constitutionnel bafoué, hein, ce que je viens de vous dire. L'art deviendra de plus en plus officiel, avec une propagande du pouvoir central. Là aussi, regardez les ex-régimes communistes, vous aurez une idée à quoi ça ressemblera, ou la Corée du Nord, par exemple. Probablement qu'en partie, le régime deviendra dynastique, d'ailleurs, avec de moins en moins de mobilité sociale, à tous les niveaux, hein, pas seulement à la tête de l'Empire. Avec un culte de la personnalité, comme vous aviez en Roumanie sous Ceausescu, aujourd'hui en Corée du Nord. Et donc tout ça, forcément, va amener des difficultés économiques, qui sont celles de tous ces régimes-là, des problèmes de pénurie, surtout qu'il y a des espaces qui resteront plus riches que d'autres. Donc il y aura, je vous en parlais, une Afrique qui débordera démographiquement, donc qui devra sans doute déverser son trop-plein de population à droite à gauche, comme a fait l'Europe centrale
et orientale à la fin de l'Empire romain, hein, qui a déversé des Goths, des Huns, des Vandales, des Alains, des Avars, des tout ce que vous voulez. Aussi parce qu'il y avait un changement climatique, d'ailleurs, il y avait un réchauffement climatique à la fin de l'Empire romain. Et donc vous avez ça créera des gros problèmes un petit peu partout. Reste à savoir où. Est-ce que ces populations africaines continueront d'arriver majoritairement en Europe, par exemple? Est-ce qu'il en arrivera qui ira vers l'Amérique du Sud, par exemple? Ça paraît plus compliqué de traverser jusque là-bas. Est-ce qu'il y en a qui essaieront d'aller du côté de l'Asie? Ça paraît moins évident aussi, mais ça reste possible, ça devient difficile aujourd'hui. Vous pouvez avoir des boat people inversés, hein, qui partent d'Afrique et vers l'espace asiatique. En particulier, si on pense, vous savez, à la fin de l'Empire romain, l'Orient était resté plus protégé, notamment parce que c'était relativement plus facile à défendre, que c'était de plus vieilles civilisations, et grâce à la thalassographie articulée justement de l'Orient, c'était plus facile de défendre, de déplacer rapidement des flottes d'un point à l'autre. Et donc, jusqu'aux invasions arabes, l'Empire byzantin s'est bien porté. Il n'a pas eu de problème avec les envahisseurs, en particulier parce qu'à partir de la bataille d'Andrinople, qui a été une catastrophe contre les Goths, ils ont pris l'habitude d'orienter toutes les populations immigrées qui arrivaient chez eux, les barbares donc, hein, et vous aviez ce flux qui descendait d'Europe centrale à travers les Balkans, et bien ils ont pris l'habitude de les orienter vers l'ouest, c'est-à-dire de les envoyer en Italie. Alors bien sûr, il y avait aussi un autre couloir d'immigration, on va dire, qui passait de Germanie par la Belgique et vers le nord de la France, donc là ils avaient pas grand chose à faire, mais pour les Goths qui normalement auraient dû se déverser directement dans les Balkans et vers Constantinople, eux ils ont été envoyés aussi en Italie. C'est comme ça qu'Alaric est venu saccager Rome en 410. Je ne sais jamais si c'est 406 ou 410, je crois que c'est 410. Tu peux vérifier, Guillaume, parce que j'aime pas donner des mauvaises dates. Guillaume ? Oui. Bref. Justement, vu qu'on parlait un peu de l'Afrique au début, il y a le roi des chats qui te demande que pense Monsieur Fairway d'une nouvelle civilisation E en Afrique centre-ouest, Nigeria et autour du Congo, au Sénégal. Alors, pour que ce soit une civilisation E, il faudrait qu'elle soit en limite d'une civilisation D et une civilisation A. Alors, je pense que je répondrai à cette question tout à l'heure, justement, quand on va voir les différentes configurations possibles de déploiement de civilisation. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je parlais des mouvements de population, voilà. Donc, imaginons... Du coup, c'était en 410. Voilà, 410. Donc, j'avais donné la bonne date à la base. Donc, imaginons que au moment où l'Empire américain commencera à affronter de grosses vagues de réfugiés qui seront peut-être dits climatiques, qui seront peut-être effectivement climatiques, hein, je ne sais pas. En fonction à ce moment-là, si l'Europe est redevenue relativement forte et sûre d'elle-même et dominatrice, peut-être qu'elle décidera d'envoyer, de faire en sorte que les flux, je sais pas, africains par exemple, s'orientent plutôt vers l'Asie centrale, ou leur fournissent des moyens pour aller en Chine, pour que ce soit l'Asie par exemple qui soit envahie de ça. Je ne sais pas. Ça peut être aussi l'Asie, elle peut être envahie par des populations. Imaginons que l'Inde ait des difficultés à nourrir une population qui croîtrait de manière assez démesurée. Ça peut être aussi une immigration qui viendrait d'Inde dans une Chine qui, elle, commencera à se dépeupler à ce moment-là. Donc c'est assez difficile d'anticiper exactement à quel moment ça se fera, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est voilà, ça fera partie des difficultés qui se déploieront, donc ces grands mouvements de population et ce multiculturalisme forcé qui empirera probablement et qui fera qu'il y aura un lent déclin comme ça.
avec des révoltes locales, de la répression, qui est ce qu'on voit sur le modèle du bas-empire romain, hein, avec un pouvoir central qui est en plus de moins en moins... qui est de plus en plus brutal et de plus en plus soumis à tous les vices de la centralisation, et notamment le fait que, je vous l'avais expliqué la dernière fois, j'y reviens pas, le fait que, à partir du moment où les généraux sentent qu'ils risquent d'être pris pour des usurpateurs dès qu'ils rencontrent quelques succès, du coup ils font le minimum syndical, etc. Et tout ça fait que, petit à petit, tout s'effondre, tout se délite, et donc que les gens locaux, s'ils veulent s'assurer de la sécurité, doivent trouver de nouveaux modes de fonctionnement. Donc par exemple, ils vont accueillir les envahisseurs en leur disant « Écoutez, on préfère que ce soit vous avec qui on peut négocier de nouvelles données de protection, par exemple. Hein, » ce qu'on fait les gallo-romains, d'abord avec la Visigoth, puis avec les Francs, en disant « Écoutez, voilà, on préfère à la limite que ce soit vous, on vous donne un petit peu d'argent, on vous verse un petit tribut. » Les mecs, en plus, n'étaient pas très gourmands, parce que... malgré tout, ils venaient de pays qui étaient assez miséreux. Donc tout de suite, ils vivaient comme des rois, parce qu'en plus, ils n'étaient pas très nombreux. Et ça permettait de chasser l'Empire, qui lui était très gourmand, et avait des percepteurs qui étaient vraiment, vraiment très brutaux et persécutants. Donc ça rompt la capacité d'administration de l'Empire, ça aggrave ses capacités de financement et de déploiement de son administration, et c'est comme ça que, petit à petit, vous avez des provinces qui commencent à se révolter, et plus ça devient général, plus ça devient ingérable, et à la fin, vous avez un délitement complet de l'Empire. Donc, c'est ça qui amène l'effondrement total de la civilisation, et c'est à ça que ressemble en fait l'effondrement systémique, parce que plus ça s'accroît, plus les populations sont pauvres, les voies de communication s'effondrent, donc il y a des biens de consommation qui n'arrivent plus, vous avez des villes qui deviennent mal approvisionnées, les gens y meurent de faim, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent les villes, ils se jettent sur les routes, comme on fait les habitants du Venezuela, par exemple, hein, à cause de Maduro. Simplement, quand ils peuvent aller dans un pays voisin où il y a de la nourriture, très bien, mais s'il n'y a pas trop de nourriture dans le pays voisin, et bien ils vont se mettre à le piller. C'est comme ça que des populations ruinées deviennent elles-mêmes des pillardes, qui parfois fuient devant d'autres pillards. Hein, c'est toute la mécanique des grandes... ce qu'on a appelé les grandes migrations, qu'on réappelle un peu les grandes invasions, mais enfin, qui sont simplement les invasions barbares, qui sont à la fois un phénomène externe, des barbares qui arrivent de l'extérieur, mais aussi des populations qui se mettent en mouvement à l'intérieur parce qu'elles sont réduites à la misère. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on arrive à ce qu'on appelle donc un effondrement systémique. Et cet effondrement systémique, ça amène les sociétés à devenir de plus en plus brutales. En particulier parce que ça fait en fait, ça crée des sociétés de méfiance absolue. C'est un total Far West, et en fait, comme en raison du brassage de population, des mélanges ethniques, des différences culturelles, vous avez des gens qui se croisent, qui ne savent pas si la personne d'en face ne voudra pas les tuer. D'accord ? Et si vous regardez, vous pouvez lire un bouquin de Michel de Jäger, et qui s'appelle « Les derniers jours », qui raconte la fin de l'Empire romain, que je n'ai pas lu en entier personnellement, mais j'ai un copain qui le lisait à l'époque, et qui m'en lisait régulièrement les bonnes feuilles pour me dire « Mais c'est horrible, c'est pire que Game of Thrones, quoi, c'était catastrophique. » Les gens se prenaient sans arrêt en otage, ils se massacraient, ils donnaient leur fille en mariage, ils la tuaient derrière, enfin c'était vraiment l'horreur. Et donc ça crée une défiance généralisée, et c'est une espèce de plongée comme ça dans l'horreur de l'assassinat et de la méfiance politique, à tel point qu'il n'y a plus d'institution. L'institution, c'est une chose, en particulier l'institution politique, qui demande déjà une certaine éducation, un certain caractère d'abstraction, pour que l'individu qui a face à lui, par exemple, un préfet, ne voit pas la personne, mais voit la fonction. Ça, c'est déjà un stade qui est assez avancé, comme dans la civilisation, et c'est ça qui crée aussi de la sécurité et de la confiance collective, puisque vous vous adressez à une institution, vous ne voyez pas juste l'individu. Or, ce qui se passe dans cet effondrement, c'est la fin des institutions, et de plus en plus le retour du rapport homme à homme. C'est comme ça qu'on en arrive à la féodalité, parce que la féodalité c'est quoi? C'est le retour, et c'est le lien féodo-vassalique, c'est le retour du rapport exclusivement d'homme à homme. Vous êtes le seigneur, vous avez un seigneur liege, un suzerain, qui est donc votre suzerain, vous êtes son vassal, mais le suzerain de votre suzerain, dont lui-même est le vassal, donc,
Ce n'est pas votre suzerain, et le vassal de votre vassal n'est pas votre vassal, parce que tous les rapports sont d'homme à homme, et on a tort souvent, on imagine que la féodalité elle-même est une sorte d'institution avec une grande pyramide, etc. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme ça qu'on peut le modéliser, c'est comme ça qu'on peut le décrire, mais le fonctionnement, ça reste du homme à homme. Et d'ailleurs, il y avait un adage qui était « l'homme de mon homme n'est pas mon homme », c'est-à-dire « le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal ». Donc il y a des écrans partout comme ça, et c'est... En fait, tout le processus de civilisation, et notamment de reconstruction nationale, va être de, à partir de ce qui est l'atome de la civilisation, c'est-à-dire la relation de confiance entre deux individus, réussir à rebâtir un ordre relativement complet, d'abord féodal, et ensuite des institutions qui vont être l'apparition de l'État royal, de l'administration, etc. Ça, c'est dans la phase ascendante, qui est la phase de civilisation ensuite, mais en fait, la plongée dans le Moyen-Âge, c'est cet éclatement continu du pouvoir royal, parce que la défiance arrive complètement. Alors, ça peut être plus ou moins long. À l'époque des Grecs, on va dire, ça a duré à peu près 300 ans, la plongée dans le Moyen-Âge, c'est-à-dire que vous avez eu un effondrement depuis donc le 12e, 11e siècle avant Jésus-Christ, et puis vous avez un retour progressif de la civilisation à partir du 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, avec la reconstitution des cités, c'est là que ça réapparaît. En Europe, l'effondrement a été plus long, pratiquement deux fois plus long, durant tout le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire en gros depuis la chute de l'Empire romain de l'Empire romain d'Occident en tout cas jusqu'à l'an 1000, parce que en particulier vous avez eu les choses auraient dû recommencer à remonter un petit peu à partir de Charlemagne en toute logique, et puis derrière sont arrivées une autre vague d'invasions qui ont été les invasions vikings, qui ont été de nouvelles invasions barbares en fait, et qui ont à nouveau tout saccagé. Donc on a refait une plongée au fond du truc et on a commencé à ressortir péniblement à partir de l'an 1000. Il faut vous rendre compte que sous l'Empire romain, je crois que je l'ai déjà dit, vous aviez à peu près la moitié de la population masculine, on estime, qui savait lire et écrire. En l'an 1000, c'est 1% de la population qui sait faire ça. Et donc c'est essentiellement c'est une partie du clergé qui sait lire et écrire. Donc c'est un effondrement total de la civilisation, et vraisemblablement que c'est aussi ce qui va arriver à l'échelle mondiale, ou en tout cas dans un grand nombre de contrées de l'Empire américain. Alors d'abord pour des raisons structurelles, qui est que la civilisation c'est une mise en réseau. Ce qui fait qu'on est efficace aujourd'hui, c'est que on est un réseau d'intelligence humaine. Que si en Europe il y a un chercheur qui a un problème X et qui n'a pas la solution, il y a un type en Amérique ou en Chine Y qui lui aura la solution au problème de X, et inversement l'autre aura la solution à l'autre problème, ou simplement il y aura un troisième joueur qui aura la solution. Et c'est grâce à la mise en réseau que la recherche avance, parce que quand vous mettez une solution avec pas de solution, le résultat c'est plus que la somme des deux, d'accord. Donc le réseau démultiplie complètement la capacité humaine à penser, à se développer, à innover. Et dès que vous cassez un nœud du réseau, vous affaiblissez ce réseau-là. Et ce qui caractérise l'effondrement systémique, c'est que tout le réseau s'effondre, en fait, s'écroule. Toutes les lignes de communication sont brisées à cause de ces mouvements de population de bandits dans tous les sens, de miséreux qui courent. Les nœuds eux-mêmes, qui sont les cités, hein, le premier lieu d'échange, la renaissance de la civilisation au Moyen-Âge, c'est le mouvement communal, c'est-à-dire l'apparition, la réapparition des petites villes, qui sont les nœuds dans lesquels se fait le commerce, dans lesquels se font l'échange des idées, etc. Tant qu'il n'y a pas ces nœuds-là, tout le monde vit en autarcie, dans ce qu'on appelle une économie de subsistance. Et donc, à partir du moment où il y a ces bandes de pillards qui empêchent d'approvisionner les villes elles-mêmes se délitent, il n'y a plus d'endroit où centraliser les ressources pour faire face aux vagues de pillards, et donc c'est comme ça que se fait le délitement complet jusqu'au point que j'ai indiqué juste avant. Donc ça, si vous voulez, ça vous montre que ce qu'on peut appeler un âge sombre est possible. Et il est même probable. D'accord ? Et donc il arrivera avec la chute de cet empire américain qui va se faire sur le mode que je viens de vous exposer.
Alors, on a reçu un don de Alfred Milner, donc merci beaucoup à lui, Gratiémile. et qui te demande, connaissez-vous les analyses de Pierre Hillard? Avez-vous envisagé une vision eschatologique du mouvement de l'histoire? Alors non, pas du tout, je crois que j'ai déjà répondu à la question sous une autre forme, où on m'a parlé de Marx notamment. Je l'ai déjà dit, moi je ne suis pas historiciste, je vois pas de début de fin. Les visions eschatologiques sont liées aux religions, c'est très bien, mais même les religions ne cherchent pas généralement à donner de date, parce qu'elles savent que c'est dangereux. C'est même interdit par le catéchisme de l'Église catholique, d'ailleurs, mais je sais que Pierre Hillard n'a pas grand-chose à faire. Et donc l'eschatologie, non. Enfin, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les gens vont croire à la fin du monde, clairement, hein, puisque c'est ce qu'ils font à chaque fois, et c'est ça qui provoque la naissance de nouveaux monothéismes politiques. Ben, j'avais bien expliqué ça en détail dans l'émission sur l'islam, donc j'y reviens pas dessus. Mais donner à tout ça ce qui est ce que je vous montre comme étant une mécanique économique et psychosociale et démographique, je vois pas l'intérêt. C'est une hypothèse supplémentaire qui n'est pas utile. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, alors donc on verra, donc ça passera l'effondrement de l'Empire, ça sera long, ça peut durer plusieurs décennies. Vous avez d'abord des bidonvilles qui apparaissent dans les villes, qui s'accroissent, hein, la criminalité qui augmente, etc. Puis tout le phénomène que j'ai dit, l'équivalent des bagodes, hein, les bagodes c'était ces pillards gaulois, des esclaves en rupture de ban, etc. Qui parfois suppléaient, se joignaient aux barbares, ou en étaient les victimes. Donc une démondialisation qui sera le résultat de l'Empire américain et évidemment donc une régression technologique, une régression de l'éducation, je l'ai dit, qui peut aussi être liée en partie, alors je ne sais pas encore mesurer ces facteurs, qui peut être liée aussi à des problèmes de baisse de la qualité du pool génétique des populations, hein, puisque on sait que depuis la révolution industrielle, les vidéos de Tirmont vous l'expliquent beaucoup mieux que moi, il y a un effet dysgénique sur la population, et donc je crois que le QI maximum, l'optimum du QI de base de la population, ça devait être au XVIIIe siècle, quelque chose comme ça, ou au début du XIXe siècle. Donc on a une baisse comme ça, et on va arriver effectivement jusqu'au moment où non seulement les gens savent plus lire et écrire, mais en plus il y a de moins en moins d'intellectuels parce que la population est globalement de moins en moins intelligente, de plus en plus bête. Et ça se voit si vous regardez les écrits dans la fin de l'Empire romain, il n'y a plus de génie. Et même les écrits qui restent, les écrits de chroniqueurs, c'est des choses qui sont très limitées intellectuellement. Il n'y a plus d'analyse, il y avait une véritable régression intellectuelle. Alors je ne pense pas qu'on reviendrait, même dans les zones les plus sinistrées, enfin peut-être en Afrique, mais dans les zones civilisées aujourd'hui, je ne pense pas qu'en Europe on va retomber à 1% d'alphabétisation, mais il n'est pas impossible qu'on tombe au niveau actuel de la Somalie, par exemple. Je crois que la Somalie, c'est le pays le moins alphabétisé du monde, me semble-t-il. Enfin, à l'époque où j'avais vérifié, c'était il y a 2-3 ans. Je crois qu'ils sont alphabétisés à 27% ou un truc comme ça. Ce qui en soi paraît beaucoup pour la Somalie, quand on voit les images Je regardais ça. auxquelles on passe de la Somalie, mais ça représenterait une baisse assez caractérisée, surtout par rapport à l'extrême alphabétisation qu'ont atteint nos populations. Et vous vous doutez bien que ça ne fonctionnerait plus du tout pareil, hein. Vous n'avez plus de... Alors, 37% en 2001. Voilà, donc vous avez 37%. Enfin, ça serait déjà catastrophique. Imaginez qu'il n'y ait plus que 37% des gens en Occident qui soient alphabétisés, tous les services qui ne trouveraient plus de main-d'œuvre, vous n'aurez plus d'assureurs, vous n'aurez plus de banquiers, vous n'aurez plus de beaucoup de choses, de comptables, avec toutes les implications que ça a sur l'activité économique, hein, parce que la comptabilité, c'est utile. Vous n'avez plus d'administration, vous n'avez plus de redistribution sociale, vous avez plus de médecins, vous avez plus de ou deux fois moins ou trois fois moins. Enfin bon, c'est vraiment c'est catastrophique. Hein. Donc vraisemblablement, il y aura quelque chose comme ça.
Cette plongée. Alors, on va voir après, en fait. Je vais vous montrer après quelles sont les projections géographiques qu'on peut faire. Hein. Mais d'abord, je vous explique en gros à quoi ça ressemblera. Je pense que c'est plus intelligent de procéder comme ça. Donc, à quoi ressemblerait un Moyen-Âge technologique, en fait ? C'est ça la question aussi. Est-ce qu'on va revenir véritablement au Moyen-Âge ? La charrue, le feu de cheminée et les moutons ? Ou est-ce que ça va ressembler à autre chose ? Est-ce qu'on aura quelque chose du genre Mad Max ou quelque chose comme ça ? Mais peut-être que ça s'approcherait plus de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut imaginer que on va revenir à un effondrement social qui sera des modèles, en fait. Et c'est qu'il faudra projeter en fait pour essayer d'imaginer ce que ça sera, puisque on est toujours dans une histoire de rapport en historionomie. Donc le futur Moyen Âge sera à notre civilisation actuelle ce que le Moyen Âge précédent était à la civilisation gréco-romaine. D'accord, c'est une histoire de rapport. C'est pas nouveau Moyen Âge, ça veut pas dire qu'on va refaire exactement la même chose. Alors on va quand même avancer sur comment ça va se découper. Et ensuite, on fera ces projections en détail. Donc, je vous ai expliqué, je vous ai rappelé tout à l'heure comment se déterminent géographiquement les civilisations. Donc, on va commencer à essayer de voir, en partant de cet empire-là qui s'effondre, où probablement même l'empire Panturc aura disparu, grosso modo, l'Amérique contrôlera à peu près tout, en tout cas le monde civilisé, peut-être moins directement... moins directement l'Afrique, je ne vais pas dire que l'Afrique n'est pas civilisée, mais enfin si quand même. Hein. Donc voilà, alors ça, tu m'as sorti la carte avant que je te le dise, donc très bien. Donc la question c'est de savoir où est-ce que on aura, parce que ce qu'il faut essayer de réfléchir, c'est où vont apparaître les nations de la taille des super-États. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut retrouver à l'échelle mondiale un espace géographique qui ait les caractéristiques de ce qu'était la Grèce dans la Méditerranée orientale de la haute antiquité, hein, des périodes archaïques, donc de ce que j'appelais le premier âge, de ce qu'était la Grèce à l'échelle de la Grèce en entier, à l'échelle de la Méditerranée pendant l'Antiquité, et de ce qu'était l'Europe à l'échelle du monde entier pendant les temps modernes. Alors, c'est pas forcément évident, c'était moins évident que ce que je pensais à la base. Depuis HSAV, moi ce que j'expliquais, c'est que la civilisation A prochaine, elle apparaîtrait en Asie, autour de la Chine. Pourquoi ? Parce que déjà on observe un mouvement qui va vers l'ouest depuis le début, c'est-à-dire si vous prenez la Crète, ensuite vous prenez la Grèce, enfin la Crète et Mycène qui étaient en Grèce, ensuite vous prenez la Grèce et vous prenez Rome, et ensuite vous prenez Rome et vous prenez l'Europe de l'ouest, et ensuite vous prenez l'Europe de l'ouest et vous prenez les États-Unis, hein, trois fois AB, vous avez un déplacement continuel vers l'Occident. Donc, si on continuait ce mouvement, logiquement, on atterrissait en Chine. Et ça me paraissait logique avec un certain nombre d'observations que je faisais à l'époque, notamment le fait qu'en général, ce qui caractérisait le cœur de la nouvelle civilisation A, c'est qu'elle avait été conquise par la civilisation B précédente. C'était le cas de la Grèce par les Mycéniens, alors que les Mycéniens, c'était essentiellement le nord du Péloponnèse, hein, donc tout le sud du Péloponnèse, là où il y avait Sparte, et ensuite surtout tout l'espace B aussi, Attique, etc., où il y avait Athènes, n'était pas, avait été conquis par les Mycéniens, donc ça faisait pas partie du noyau. Le fait que toute l'Europe de l'Ouest ne faisait pas partie du monde gréco-romain à la base, hein, ça a été une conquête. Donc à partir de là, je disais, il faudrait plutôt voir vers ce qui n'a jamais été occidental jusqu'à maintenant, et donc ça nous menait forcément en Asie. Bon. Alors cependant, à l'époque où j'ai rédigé l'histoire du siècle à venir, même si je continue à penser que c'est une hypothèse qui paraît assez juste, puisque si vous regardez à l'échelle du monde, c'est pas absurde. L'Asie, si vous prenez à l'échelle du monde entier, l'Asie présente bien, pour des tailles d'États qui seraient quand même un petit peu plus gros, l'Australie, l'Indonésie, une partie de l'espace chinois,
voilà, ou si vous prenez l'Asie Pacifique en son entier, ça donne des possibilités géographiques à l'émergence de super-États, et en même temps, ça donne des côtes qui sont assez déchiquetées. Bon. Mais, néanmoins, cet aspect géographique, qui aujourd'hui me paraît prioritaire, plus que le mouvement vers l'ouest, qui était peut-être juste un artefact, en fait, il permet d'envisager une autre possibilité, qui soit que ce soit pas en Asie qu'apparaisse cette nouvelle civilisation-là, mais qu'elle réapparaisse sur un espace actuellement occidental ou occidental au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des Amériques, plus ce qu'est aujourd'hui l'Europe et aussi vraisemblablement l'Afrique du Nord, puisque ça laisserait ça, cet espace, la capacité d'apparition de très gros États. Vous pouvez en avoir au moins un en Amérique du Sud, probablement centré sur le Brésil, au moins un en Amérique du Nord. Pour y en avoir un ou deux, à mon avis deux, en Europe de l'Ouest, on les verra tout à l'heure. Alors bien sûr, ça serait comme d'habitude, hein, y aurait probablement plusieurs micro-États, des choses qui seraient déchiquetées à la frontière, comme la Belgique ou la Suisse, etc., des petits États qui servent de tampon et qui ne basculent jamais définitivement d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, si vous voulez, donc la première question c'est ça, où est-ce que ça peut apparaître? Alors je suis cependant sûr que ça ne peut pas apparaître ni en Afrique, ni en Asie, parce que à l'échelle du monde, il ne montre pas cette thalassographie articulée qui reste l'élément important. Donc, cependant, je pense qu'il y a deux possibilités aujourd'hui. Un, une civilisation qui serait une civilisation Asie-Pacifique, donc les côtes de, alors principalement en Asie, mais qui comprendrait aussi certains éléments de la côte Pacifique, en particulier parce que si vous prenez toute la côte occidentale d'Amérique du Sud, elle est derrière la cordillère, elle est derrière les Andes, hein, donc elle est isolée. Et c'est pareil d'ailleurs pour toute la Californie, l'Amérique du Nord. Soit une ère atlantique, qui serait donc les Amériques plus l'Europe. Dans le cadre de l'apparition d'une civilisation Asie-Pacifique, on serait plus dans l'imitation ou la réitération de ce qui s'est passé après la chute de l'Empire romain, c'est-à-dire véritablement une déportation de la civilisation vers de plus grands espaces à l'ouest, alors que dans le cas de la civilisation d'une civilisation A qui serait atlantique, on se retrouverait plutôt dans le cadre du passage de la civilisation du premier âge de A. Raffiche-moi cycle B et cycle A, comme ça les gens vont comprendre ce que je veux dire. Puisque, en fait, vous voyez, la première civilisation A, c'était la Crète, hein, qui s'était déployée en mer Égée. Ensuite, vous avez eu la civilisation B mycénienne, qui a tenu l'essentiel de la Grèce continentale, donc en bleu, puis qui s'est étendu ailleurs. Et si vous prenez ensuite la Grèce, tout l'espace de naissance de la Grèce, ça a été en fait la totalité de l'ancien et essentiellement la Grèce continentale, c'est-à-dire un espace qui avait été mycénien, donc ça n'a pas bougé. Donc aujourd'hui, ça serait essentiellement les Amériques, où réapparaîtrait la civilisation A, avec probablement quelque chose qui se maintiendrait en Europe. Donc, remets-moi la projection, s'il te plaît, 2200. Pourquoi je l'ai appelé 2200, l'image? Parce que c'est autour de 2200 que ça donnerait ça, c'est-à-dire au moment de la chute ou à l'arrivée de l'effondrement de l'Empire américain, on aurait ça. Et alors, qu'est-ce que je vous ai mis en rouge? C'est parce que je vous en ai parlé plusieurs fois, ça, dans plusieurs émissions, c'est la possibilité de la survivance, vous savez, je vous avais dit, d'un simili-empire byzantin. Et donc je disais, vu que l'empire byzantin c'était l'ancienne civilisation A grecque, eh bien, ça serait l'apparition d'un empire européen, en fait, qui survivrait à la chute de l'empire américain. Alors, donc je vous ai dit tout à l'heure, je continue à penser que c'est possible, mais il y a d'autres éléments qui sont venus à ma connaissance, sur lesquels j'ai réfléchi. Un, je vous ai dit que d'un certain nombre de points de vue, c'était dans l'émission sur la Chine, on pouvait aussi comparer la Chine à l'Égypte de l'Antiquité, c'est-à-dire le très vieil empire qui avait fait l'accordéon pendant des millénaires jusqu'à tomber sous le contrôle de Rome. Donc la Chine, c'est un petit peu pareil avec l'empire américain.
Et la Chine, l'Égypte était du côté de l'Empire byzantin aussi. Et au moment de la chute de l'Empire romain d'Occident, elle faisait toujours partie de l'Empire byzantin. Elle faisait partie de l'Empire byzantin sous Justinien. Elle n'a cessé de faire partie de l'Empire byzantin qu'au 7e siècle, avec la deuxième moitié du 7e siècle, avec les invasions de la conquête musulmane. Donc elle est restée longtemps. Donc, ça c'est le premier élément qui fait que donc ça serait pas absurde que il y ait cette survivance du côté de la Chine et de l'espace asiatique. Deuxième point qui permet de penser ça, c'est que la cause efficiente, la cause immédiate de la chute de l'Empire, c'est les invasions barbares hein, qui viennent. Alors l'Empire s'effondre parce que il est dans un état économique et politique qui le rendent très vulnérable, parce qu'il est planificateur, centralisé, autoritaire, policier, tout ce que vous voulez. Alors que des invasions barbares, en fait, il y en a eu tout le temps hein, dans l'histoire de Rome. Il y avait les Cimbres et les Teutons au 1er siècle avant Jésus-Christ, il y en a eu tout le temps. Bon, ils n'ont posé problème qu'à ce moment-là, parce que l'Empire était plus dans la situation morale où il pouvait lutter. Il n'était plus dans la situation morale où la population préférait l'Empire à l'envahisseur étranger. Or, donc, cette cause, je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, si on reste sur une projection de maintenant, et si on réfléchit d'où viendraient les populations massivement migrantes, si on part du principe que c'est l'Afrique, il y a effectivement plus de chances qu'elle continue d'arriver en Europe, qu'en Asie. Par ailleurs, les États-Unis, eux aussi, subissent beaucoup d'immigration venant de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, ou en tout cas du nord de l'Amérique du Sud, qui sont des populations qui sont encore démographiquement plus dynamiques, en particulier au Mexique, hein, et donc qui arrivent très fortement, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'immigration qui arrive massivement en Chine, hein, ni dans les autres pays, en tout cas pas dans la mesure où ça arrive en Occident. Donc soit, et ça dépendra de la vitesse d'effondrement, soit on est dans un scénario plutôt à celui qu'on verra quand je parlerai du cycle zéro, c'est-à-dire l'époque mycénienne, où finalement l'apogée de l'Empire a duré très longtemps, mettons c'est après la guerre de Troie, la victoire de la guerre de Troie, c'est-à-dire ça dure une cinquantaine d'années, très rapidement ça s'effondre, puisque l'effondrement systémique arrive moins d'un siècle après on va dire, l'apogée de l'Empire mycénien. Hein. Et à ce moment-là, la civilisation est réapparue dans l'ère de l'Empire mycénien. Soit on est sur un scénario plutôt à la romaine, où l'apogée dure finalement très longtemps. Hein, vous avez 2-3 siècles où l'Empire, d'abord l'Empire de la République romaine, puis l'Empire, est extrêmement puissant, sans partage, et très solide. Donc ça, c'est les deux versions. Ça peut être long ou ça peut être court. Si c'est très court, si les choses doivent arriver assez vite, je vois mal les mouvements, les flux de population changer dramatiquement, et vraisemblablement que les problèmes qu'on aura avec les problèmes équivalents des invasions barbares sont déjà des problèmes qu'on voit en germe dans le multiculturalisme dans les pays occidentaux, en particulier l'Europe et les États-Unis. Donc ça c'est premier scénario. Donc à ce moment-là, si les États-Unis, si l'Empire américain s'effondrait aux alentours de 2100 pardon, après Jésus-Christ, donc dans 100 ans hein, grosso modo, la deuxième hypothèse, celle de l'apparition de la future civilisation A, qui est donc aussi l'endroit où le Moyen-Âge est le plus dur, hein, puisque c'est là que tout s'effondre véritablement et qu'on arrive au fond du fond de la civilisation. Hein. Dans l'Empire byzantin, il ne s'est pas passé la même chose qu'en Europe occidentale. Ce qui s'est le plus effondré dans l'Empire romain, c'est l'Europe occidentale. Donc soit cet effondrement arrive aussitôt, et à ce moment-là, ça sera plutôt en Europe et aux États-Unis, et il n'y aura pas de survivance d'Empire byzantin, en Europe en tout cas, il y aurait peut-être une survivance en Asie autour de la Chine, qui serait l'équivalent de la survivance de civilisation qu'il y a eu autour de l'Égypte à la fin du premier âge. Entre le premier et le deuxième âge, pardon. Si au contraire, l'Empire américain s'établit solidement, qui dure longtemps,
que finalement ce n'est pas avec les problèmes de planification à propos du changement climatique qu'on arrive à soviétiser l'économie mondiale, mais que tout ça est balayé et que c'est dans 50 ans que réapparaît une nouvelle lubie par exemple. Si les mouvements migratoires se calment, ou que par exemple, il y a, je l'ai déjà évoqué dans certaines émissions, en particulier dans celle où je parlais de l'effondrement de l'Union européenne, ou encore celle sur l'effondrement de la 5ème République en France, avec un mouvement de rejet en Europe de l'immigration, qui redonnerait un élan pendant quelques décennies à l'Europe, et qui réorienterait, c'est le scénario que j'évoquais tout à l'heure, l'immigration plutôt vers les pays d'Asie. Et un scénario dans lequel par exemple il y aurait des problèmes en Inde qui ferait qu'il y aurait une grosse immigration indienne qui viendrait poser des problèmes dans une partie, ou indonésienne d'ailleurs, hein, ou pakistanaise, enfin toutes ces populations qui sont encore assez dynamiques démographiquement. Et à ce moment-là, c'est plutôt donc un empire byzantin qui survivrait en Europe et véritable, et donc qui parviendrait aussi à maintenir une forme d'ordre en ayant une base solide en Europe, en Amérique du Nord, ou en tout cas dans sur la côte Est, et sur la côte Est aussi du Brésil, Venezuela, tout ça. De la même manière que sous l'Empire, sous Justinien, l'Afrique du Nord et l'Italie ont été reprises. Donc sa deuxième scénario, donc une chute un petit peu plus tardive, qui à ce moment-là verrait apparaître plutôt la civilisation dans l'Asie-Pacifique, parce que la survivance d'un empire en Europe et sur les côtes empêcherait l'effondrement en Amérique, et là où l'effondrement aurait véritablement lieu, c'est du côté de la Chine. Donc chose importante, donc c'est là où l'effondrement sera le plus total que réapparaîtra la civilisation A. Là où l'effondrement sera le plus total et qui sera aussi le plus favorable au niveau géographique. Donc j'espère que c'était clair. Est-ce que ça te semblait clair, Guillaume, la façon dont j'ai expliqué ça ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a Rémi Galérien qui nous a fait un don. Donc, merci beaucoup à lui. Il nous dit quelques sesterces pour la cause. Donc la monnaie pendant... Oui, les sesterces. Sesterces. Sesterces, pardon. Donc voilà, donc ce sont ces deux scénarios, et je vais garder ces deux scénarios à la fois. Toutes les cartes que j'ai préparées, je les ai préparées avec ces deux scénarios-là pour que vous voyez les deux cas. Alors donc du coup, malheureusement, je suis bien en peine de vous dire aujourd'hui si en Europe on sera en sécurité à long terme ou pas, hein, puisque je pense qu'on le verra progressivement. Si, on va dire, sur 10-20 ans, il n'y a pas de sursaut contre les vagues d'immigration qui existent depuis 50 ans en Europe, c'est qu'on ira plutôt vers le deuxième scénario, c'est-à-dire le scénario de l'effondrement en Europe et aux Amériques, qui verra réapparaître une civilisation A en Europe et aux Amériques essentiellement. S'il y a effectivement un sursaut, avec une remigration partielle et des choses comme ça, qui sont aussi envisageables, à ce moment-là, on sera plutôt dans le premier cas, c'est-à-dire une réorientation des flux migratoires du milieu du 21e siècle, qui seront encore plus forts, hein, puisque je vous ai dit, explosion de la population au Nigeria, etc. Je crois qu'en 2100, population du Nigeria estimée, 700 millions de personnes. Hein. C'est vraiment une explosion démographique terrible. Et à ce moment-là, mettons, si ces gens-là, on les envoyait en Chine, ben c'est la Chine qui aura à subir ces conséquences-là. Alors, je vais revenir après, en se souvenant de ça, sur à quoi ça va ressembler, cet effondrement. Mais d'abord, je finis avec les différentes civilisations, vous dire qu'est-ce qu'elles vont donner, et pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, dans l'émission sur l'islam, je vous avais expliqué que si l'islam suivait la trajectoire du judaïsme antique, il allait avoir évolué en trois branches. Puisque le judaïsme antique a évolué en trois branches. Il a évolué d'une part en judaïsme rabbinique, qui est le judaïsme d'aujourd'hui, donc version très spiritualisée et adoucie. D'autre part, il a évolué en christianisme, autour d'une figure christique, et je vous ai dit que dans l'islam il y en avait, hein, dans l'ahmadisme ou dans le bahaïsme, mais qui sont encore très minoritaires aujourd'hui, à eux deux ils doivent rassembler 20 millions de fidèles à peu près, ou 30, donc par rapport à 1,5 milliard de musulmans c'est rien.
Et troisième branche, l'islam lui-même, qui est un reboot du judaïsme mosaïque. Donc si l'islam suit cette trajectoire, pareil, il aura les trois évolutions. Alors, la première évolution vers la spiritualisation, c'est l'évolution logique et l'affaiblissement, c'est la nécrose, on va dire, c'est l'évolution logique de tout monothéisme politique, hein, je l'ai déjà dit, et on le voit déjà, hein, c'est l'islam des lumières, tout ça, ben en fait, on sait que quand on met des lumières dans la religion, c'est qu'à la fin, vous ne l'avez plus, la religion, hein, où ça devient quelque chose de très discuté, mais la foi, la ferveur, on va dire, s'effiloche progressivement. Et donc on aura une sorte d'islam de rabbin, en fait, qui durerait probablement, qui se recroqueverait sur une petite partie de population, probablement la population ethniquement la plus marquée, c'est-à-dire essentiellement la population arabe, de la manière que le judaïsme a eu tendance à se recroqueviller sur la partie, on va dire, génétiquement d'origine hébreu, hein, bon, hébraïque. Deuxième branche, ben, elle existe déjà, je l'ai dit, c'est le baïsme et l'ahmadisme, qui pour l'instant n'ont pas trop d'écho, mais qui en auront peut-être un peu plus au fur et à mesure que l'islam traditionnel s'effilochera. Et troisième branche, qui arrive dans un second temps, qui est le reboot, sous la forme de monothéisme politique, et ça, je suis à peu près sûr que ça arrivera, puisque encore une fois, c'est une des conséquences du chaos systémique. Donc, vraisemblablement, dans l'hypothèse, et là c'est similaire dans les deux hypothèses, hein, que la civilisation A soit en Chine, Asie-Pacifique ou en Atlantique, c'est pareil. Vraisemblablement que ce que j'appelle donc le néo-islam, hein, ou le néo-abrahamisme, à chaque fois, la religion de la civilisation C, ce monothéisme politique, il est dans le désert. Donc c'est dans le Sinaï avec Moïse, dans le Hedjaz avec Mahomet, avec Abraham aussi, c'était dans le désert d'ailleurs, mais enfin, on y reviendra quand je ferai l'émission là-dessus. Donc, mais en même temps, en dehors de l'ère primaire, de ce que j'appelle l'ère primaire, c'est-à-dire la première ère civilisationnelle de la civilisation C précédente. Donc, le Hedjaz, c'est radicalement en dehors de ce qu'était la Palestine. Donc, il faudrait trouver un troisième endroit où naîtrait en dehors de la sphère arabo-musulmane, donc aux confins de cette sphère-là. Et donc le Hedjaz, c'était en dehors de la Palestine, mais c'était pas très loin non plus. Donc quelque chose qui soit en dehors de ce qui est l'ère du monde arabo-musulman, ça peut être dans le Sahara, ça peut être dans les montagnes d'Afghanistan. Ce sont des endroits assez propices qui sont en même temps périphériques de la civilisation, comme l'était le Hedjaz au 7e siècle. Donc vraisemblablement, donc dans le cadre de l'effort normand systémique, dans une de ces régions. Peut-être dans le Caucase aussi, dans le Sud-Caucase, apparaîtra un nouveau prophète qui, suivant le mécanisme normal du monothéisme politique, c'est-à-dire révélation d'un côté et brigandage et opération militaire de l'autre, il y aura plusieurs prophètes, en fait, toujours pareil, en concurrence, qui penseront à peu près tous la même chose, puisqu'ils utiliseront un gloubi-boulga d'islam. Et de croyances locales probablement, et ils créeront donc une nouvelle religion, ce néo-islam qui s'étendra. Alors là, j'ai fait des cartes aussi, mets-moi 2300 s'il te plaît. Voilà, pour vous dire à quoi ça ressemblera à peu près. Alors attendez, je vais vous rajouter, parce que je me suis aperçu qu'il y avait une carte que j'ai oubliée, je pense, de mettre, et qui permettait de faire la comparaison avec l'islam de l'Antiquité. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut toujours, hein, on fait du raisonnement géographique, et ce qui est intéressant, c'est que l'islam de l'Antiquité, il est arrivé en bordure, en fait, il a créé la bordure de la civilisation A. Il a même pris toute l'Espagne, qui ensuite a dû reconquérir cette région-là. Et donc, si on essaie d'imaginer quelque chose qui ressemble à ça aussi,
ça donnerait quelque chose comme ça, voilà. Voilà, donc là, vous avez la progression, ça c'est la conquête de l'islam, c'est autour de l'an 800 à peu près, hein, puisque vous avez d'un côté l'empire de Charlemagne, qui était en fait la zone de départ de la future civilisation A. L'empire byzantin, alors ce qui est en Bordeaux, c'est l'état dans lequel il était à cette époque-là, et en rouge, c'est ce qu'il était un siècle plus tôt, à la fin du règne de Justinien. Donc vous comprenez encore l'Égypte, la Syrie, la Palestine, etc. Donc vous voyez comment c'était étendu, c'est-à-dire que c'est une progression qui envahissait l'ensemble de l'ancienne civilisation D, donc l'Empire Perse qui arrivait jusqu'aux confins de l'Indus et l'Asie centrale, et qui allait donc jusqu'à rogner la civilisation A. Donc remets-moi les projections possibles du néo-islam, s'il te plaît, Guillaume, en m'enlevant celle-ci. Je crois qu'elle a dû apparaître tout en haut. Parce que... Voilà, enlève-la. Voilà. Donc voilà. Alors, donc dans les deux cas, vous avez vu que l'islam, il était arrivé en bordure à la fois de l'Empire byzantin, qu'il avait un peu grignoté, et donc de la civilisation A. Donc là, quel que soit le schéma qu'on garde, soit la civilisation Asie-Pacifique, soit la civilisation A qui renaîtrait en Atlantique, avec un empire byzantin qui est inversé dans les deux cas, dans un cas Europe, dans l'autre, autour de la Chine, eh bien, dans les deux cas, on peut faire une projection de ce que serait ce néo-islam et sa diffusion assez similaire. Et dans le cas où la civilisation serait pacifique, j'ai imaginé que toute la partie orientale de l'Amérique du Sud pourrait être gagnée par cette conquête-là, parce que, tout simplement, ça ferait pendant, en gros, à ce qui est arrivé à l'Espagne, hein, qui ensuite serait reconquise, on le verra quand on fera le plan des nations. Et avant de vous faire une projection de ces espaces nationaux, juste je voudrais remettre... ACDE, c'était ça, voilà. Alors ça, c'est pour vous. Vous souvenez, quand j'avais fait l'émission sur Erdogan, je vous avais fait cette projection pour vous montrer l'évolution géographique et la permanence, notamment, de la civilisation du cœur du monde, avec... Donc à chaque fois, A qui est sur la partie déchiquetée, B qui apparaît plus loin. Ici, il n'y a pas de civilisation B dans les projections du prochain cycle. Nous verrons pourquoi la prochaine fois. Hein, c'est parce que la civilisation B ne sera pas sur Terre, selon moi. Donc ça, je tease un peu pour la prochaine fois. Donc c'est pour ça que vous n'avez que les civilisations ACDE là, qui apparaissent ici. Parce que si on veut faire un espace de la civilisation B, je vous ai dit qu'il doit apparaître... bien loin et dans un espace de dimension encore supérieure, hein, pour suivre la logique des trajectoires, ça ne peut pas rester sur le globe terrestre, mais ça on en parlera la prochaine fois. Donc simplement, vous voyez, je vous ai mis les deux hypothèses de civilisation A, la civilisation C qui dans les deux cas est la même, la civilisation que je vais vous montrer juste après, qui doit également naître au cœur du monde, et une hypothèse de civilisation E. Dans le cas où la civilisation A serait Asie-Pacifique, la civilisation E serait probablement en Inde, puisque c'est toujours en limite de D et de A, et à ce moment-là, la limite de D et A, ça serait ça. En revanche, si la civilisation est atlantique, la civilisation A est autour de l'Atlantique entre la Grèce et les Amériques, alors la civilisation E serait plutôt à nouveau en Russie, hein, comme la dernière fois, puisque pour être en limite de A et de D, c'est là qu'elle se situerait. Alors, donc, les espaces nationaux. Affiche-moi les espaces nationaux, enlève-moi celle-là, s'il te plaît, mets-moi espaces nationaux. Voilà. Donc, là, petit rappel de la façon dont les espaces nationaux s'étaient découpés en Grèce, pour les grandes nations. Alors, j'aurais pu mettre l'autre versant de la mer Égée, puisque vous avez eu d'autres cités importantes, c'est comme Milet par exemple sur la côte ionienne, mais c'est vrai que l'essentiel des cités entre lesquelles s'est fait l'histoire de Grèce, c'est celle-ci, de la même manière que l'histoire d'Europe s'est faite entre ces nations-là que vous avez en dessous. Alors il n'y a pas de correspondance entre les couleurs, ne cherchez pas.
Sauf Athènes et Sparte, peut-être, hein, comme je vous en avais parlé dans l'Europe. Hein, il y a une certaine correspondance pour l'Angleterre et la France, mais ce n'est pas le sujet là aujourd'hui. Et donc, vous avez les deux cas. J'ai essayé de découper à peu près en fonction des aires ethniques et des aires géographiques, hein, puisque je vous ai dit que la construction des États nationaux, c'est un déterminisme ethno-géographique. Donc on pourrait envisager l'apparition de il y aurait trois espaces globaux pour des super états aux Amériques, hein. Un qui serait le Mexique, l'Amérique centrale et le nord de l'Amérique du Sud, ensuite le reste de l'Amérique du Sud et toute l'Amérique du Nord pour un troisième état. Et en Europe, je pense que ça recouperait à peu près les aires civilisationnelles entre d'un côté le monde orthodoxe au sens large et orthodoxe et slave, slavo-orthodoxe, et de l'autre côté le monde latin-germanique et chrétien, catholique, protestant. Voilà. Donc ça donnerait, on aurait une base pour à peu près cinq grosses nations, dont les frontières seraient probablement pas exactement celles-là. Il y aurait probablement une myriade de petits états comme ceux qu'il y a en Europe ou qu'il y avait en Grèce aussi. Mais bon, c'est pour une projection pour vous donner grosso modo l'idée de ce que seraient ces super états dans une nouvelle civilisation A. Deuxième version, ce que seraient ces états dans une civilisation Asie-Pacifique. J'ai essayé de vous faire également la projection. Donc l'idée, c'est que ethno-géographiquement et démographiquement, ils sont tous dans le même ordre de grandeur. Ça ne veut pas dire qu'ils font tous la même taille. Et c'est pas surprenant qu'il y ait un état qui soit beaucoup plus gros que les autres. Par exemple, là, je vous ai déjà dit que Sparte, géographiquement, était beaucoup plus grand que les autres. La France on les appelait les Chinois de l'Europe, hein, ceux qui écoutent Zemmour savent qu'ils le répètent souvent. C'était un pays très peuplé, vous aviez un Européen sur six à l'époque qui était français, hein, donc c'était vraiment le. Donc si vous aviez une Chine de 1 milliard d'habitants par exemple, et à côté un sud-est asiatique, un pays qui serait une sorte d'empire Khmer ou un truc comme ça, avec 300 millions de personnes, je veux dire, on resterait malgré tout sur des ordres qui seraient à peu près cela. Donc voilà, pareil, l'espace Océanie, Indonésie, etc., ça fera à peu près 400 millions d'habitants, avec l'Australie, tout ça. Donc voilà quels seraient à peu près les espaces nationaux qu'on pourrait imaginer pour la nouvelle civilisation A, que ce soit dans un cas ou que ce soit dans l'autre. Donc là-dessus, la future D, qui est la dernière civilisation qu'on doit voir aujourd'hui, on ne verra pas la civilisation B aujourd'hui, encore une fois, puisque elle apparaît dans la deuxième moitié post-Moyen-Âge, hein, normalement, au moment où les États nationaux sont déjà construits. Rome apparaît, se construit véritablement au moment où les cités, les nations grecques, les cités-États sont puissants et se sont bien construits. Pareil pour les États-Unis avec par rapport à l'Europe. Donc on verra ça la prochaine fois. Donc là pour l'instant nous restons bien sur terre, les pieds sur terre, avec donc l'empire du cœur du monde, hein, toujours pareil, c'est ça qu'est la civilisation D. En général ça naît toujours de quelque chose qui vient plus ou moins du centre asiatique, hein, puisque ça a été le cas à l'époque de ce que je peux appeler le cycle zéro, puisque les Hittites étaient au moins partie des Indo-Européennes, donc qui venaient de la civilisation, c'est l'hypothèse Kourgan, hein, donc entre la mer Caspienne et la mer Morte, par là. Pareil pour les Turco-Mongols dans la période moderne. Je suis désolé de te couper, mais juste avant, on te demandait une précision, donc une précision de Gutz. Quels sont les critères utilisés pour définir ces ensembles, ou plutôt quel est... la part de chacun de ces critères. Alors, le principal critère... Alors, de toute façon, il faut aller voir la vidéo que j'ai fait sur la construction nationale. Disponible sur ta chaîne. Voilà, le déterminisme, il est ethno-géographique. C'est-à-dire que vous avez les deux forces qui sont à peu près égales, mais qui se limitent mutuellement. Je reprends toujours le truc pour bien comprendre, c'est le cas où vous prenez la France et l'Allemagne. Bon. La France, c'est globalement l'espace des Gaules. Ethniquement, le fond ethnique c'est ça, avec relativement homogène. Bon,
qui n'a pas été fondamentalement bouleversé par les invasions barbares, qui n'ont jamais représenté que moins de 10% de la population. Bon. Donc même si le nord était plus franc et plus germanisé que le sud, globalement on est resté à peu près pareil. Bon. Et inversement, l'Allemagne, c'était un espace qui géographiquement avait une langue, et donc l'Allemagne, on la voit se dessiner assez rapidement au Moyen-Âge, en particulier au XIIIe siècle, avec la bulle d'or de l'empereur Charles IV du Saint-Empire romain germanique, qui réduit les électorats à grosso modo l'espace allemand-autrichien actuel. Mais les frontières, malgré tout, restent négociables et fluctuantes, puisqu'aujourd'hui, les frontières des États allemands et français, ce n'est pas ça. Pourquoi ? Parce que, à cet aspect ethnique, il y a aussi un aspect géographique. Et c'est vrai que pour la France, les Gaules, c'était à la fois relativement ethnique et relativement géographique, puisque c'était des Pyrénées jusqu'au Rhin. Bon. L'espace germanique s'est quand même pas mal déplacé vers l'ouest, donc ça, et s'est beaucoup implanté à ce qu'on appelait l'Austrasie à l'époque des Francs, c'est-à-dire tout l'espace qui va de l'Alsace-Lorraine jusqu'à la Saxe, hein, à peu près. Bon. Donc cet espace a été germanisé. Même si il était à l'intérieur de ce qui était normalement la frontière naturelle des Gaules. D'accord ? Bon. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'espace nettement ethniquement géographique côté français, il a formé la France. L'espace nettement ethniquement géographique du côté allemand, il a formé plutôt l'Allemagne. Et l'espace qui était dans ce flou, parce qu'il était plutôt géographiquement d'un côté, mais plutôt ethnico-linguistiquement de l'autre, c'est là que sont apparus tout un tas d'États secondaire avec une identité propre, c'est-à-dire la Belgique, la Hollande, les Pays-Bas, la Suisse aussi est dans cet espace-là, qui est en fait entre les deux gros espaces germaniques et voilà. Donc, si vous voulez, c'est difficile de dire quel est le critère qui prime. Les deux sont importants. Le critère géographique et le critère ethnique. Et là où il y a trop de flou, c'est là que vous allez avoir une multitude d'états mineurs qui se créent. Alors là, j'ai déjà eu du mal, j'ai essayé de voir à peu près, en gros, quels seraient les espaces ethnico-géographiques à peu près évidents, hein, où on arriverait à trouver à peu près une homogénéité. Pour l'Asie du Sud-Est, ça peut se discuter très fortement. Pour la Chine, j'ai repris les territoires de population Han aujourd'hui, pas compliqué. Pour le Japon, j'ai repris le Japon en rajoutant quelques endroits peu peuplés au-dessus, mais qui géographiquement auraient une logique. Hein. Et voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est pas tout à fait au doigt mouillé, si vous voulez, mais bon, on s'appuie sur quelques principes pour essayer de faire une projection globale. Bon, c'est pour ça aussi que je vous ai dit les espaces différents culturellement européens. Si on doit faire une césure, si on fait plus de césures qu'une en Europe, je pense qu'on arrive sur des entités qui sont trop petites, trop proches des États européens, pour être ce que doivent être les dimensions des États d'EA dans le prochain cycle. Donc si on sépare simplement en deux, la bonne frontière en Europe, c'est celle-là. Europe de l'Ouest et Europe de l'Est, l'espace slavo-orthodoxe face à l'espace latino-germain. Bon, après, il pourrait y avoir, par exemple, si on peut envisager un découpage en trois. On peut envisager un découpage latin, hein, la vieille union latine, France, Espagne, Portugal, Italie, hein, et peut-être Grèce. Et de l'autre côté, l'Europe germanique. L'Allemagne, tout l'espace de l'ancien empire allemand et de l'empire austro-hongrois et scandinave. Hein. On peut imaginer un découpage en trois, si vous voulez. Je ne suis pas... On serait sur les dimensions, probablement, hein, parce que ça ferait 200 millions d'habitants à peu près par segment. Donc on resterait sur les dimensions qui doivent être celles d'États... de ce que j'ai appelé des super-États, effectivement. Donc, mais rentrer plus dans le détail et faire exactement la part des critères, je pense pas. Pour moi, c'est les deux qui vont ensemble et qui sont mêlés. Bon. Donc simplement, à partir de là, l'espace qui sera conquis par D, ce qui caractérise D, c'est que donc il est au cœur du monde, que... La version, la,
D, dans son avancée maximale, arrive en limite de la civilisation A de son temps. D'ailleurs, elle est son principal ennemi civilisationnel. Les Ottomans avec les Européens, 16e, 17e, 18e siècle. Et les Perses avec les Grecs. Mais, semble-t-il, il n'arrive pas à aller jusqu'au territoire qui était celui de la civilisation B précédente, hein, puisque par exemple les Ottomans ne sont pas arrivés jusqu'à Rome, et les Perses n'étaient pas arrivés jusqu'au Péloponnèse. Donc si on suit la même construction, ça pourrait donner ça, c'est-à-dire que ça pourrait envahir la totalité de l'Europe, sauf s'il y a une forme de sauf si c'est là que se crée la nouvelle civilisation, la civilisation A, puisque ça doit arriver en limite de civilisation A, mais pas la prendre. Alors, quoique d'ailleurs, hein, quoique, parce que si dans cette version-là, l'Europe, c'était l'équivalent de ce qu'étaient les cités-États grecques de la côte égéenne d'Anatolie, hein, c'est-à-dire la côte orientale, elle a fini par être conquise par les Perses, donc peut-être qu'il n'y aurait que les Amériques finalement qui resteraient indépendantes. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des frontières naturelles qui font que au moins l'Europe de l'Ouest pourrait résister à cette nouvelle civilisation, civilisation D. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Oui, tout à fait. Bon, donc, vous l'aurez compris, ce qu'on appelle Moyen-Âge, ça concerne très principalement la civilisation A. Hein, puisque nous, quand on parle de notre Moyen-Âge, on pense à notre Moyen-Âge, comment ça se passait en Europe. Hein. On va pas tellement chercher ce qui se passait en terre d'islam au Moyen-Âge, ou ce qui se passait en Chine. Donc, soit ce Moyen-Âge, il se tiendra sur les territoires qui seront ceux de la future civilisation A, Asie-Pacifique, soit ils se tiendront sur le territoire, je ne vais pas le répéter 20 fois, mais bon, je l'ai dit tout à l'heure, de la civilisation atlantique. Donc ce que je vais vous expliquer là, en fonction de là où seront partis les barbares, ça désignera l'état de l'endroit concerné. Mais ça sera la même chose, ce qui se passera sera la même chose, que ce soit finalement dans un Moyen-Âge qui se passera en Chine, ou un Moyen-Âge qui se passera en Europe-Amérique. D'accord ? Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer ? À quoi ça va ressembler ? Alors, ça va amener donc un effondrement d'institutions, une féodalisation très profonde, une destruction des nœuds de communication. Et je vous ai remis quelques images qui permettent, parce qu'il faut bien se rendre compte à quel point l'Empire romain a été un effondrement, parce que l'historiographie a beaucoup fait dans l'idée d'antiquité tardive, le fait que ça aurait été une transition. Alors effectivement, ça n'a pas été du jour au lendemain brutal, mais il n'empêche que l'effet, lui, a été brutal dans sa nature. Le bouleversement est total, c'est un véritable effondrement très profond, je l'ai dit pour l'alphabétisation. Regardez, la dernière fois je vous avais montré le cas de Périgueux, là, hein, au 3e siècle. Donc la première image, c'est en bas, hein, vous regardez en bas, en 150 à peu près, et Périgueux ensuite en 350. Donc, vous voyez, resserrement derrière des murailles de la population qui a peur des voies de communication qui sont... Donc on ne sort que pour aller cultiver les champs, finalement, mais on ne vit plus ouvert aux quatre vents comme on le fait dans les villes modernes et comme on le faisait dans les villes à l'époque de la Pax Romana. Je vous ai trouvé d'autres vues qui vous permettent de bien voir ça. En haut, vous avez Canterbury, donc. Canterbury à l'époque romaine, et Canterbury après l'époque romaine, donc au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, pardon, hein, c'est-à-dire les premiers siècles du Moyen-Âge, et donc vous voyez, vous constatez l'effondrement total, hein, que l'archéologie nous montre de cet espace. C'est rien, c'est la ville qui se dépeuple complètement, la végétation qui envahit tout, c'est la ruine, hein, c'est
La seule différence avec une bombe nucléaire, c'est que la bombe nucléaire va plus vite, mais le résultat est le même. Mets-moi l'effondrement romain suivant, s'il te plaît. L'image suivante. Alors ça, c'est le Forum d'Auguste. Forum d'Auguste à Rome elle-même. Donc vous avez la version à l'époque de Rome, et vous avez la version au Moyen-Âge. Donc vous voyez, il faut imaginer, moi ça me fascine toujours, d'imaginer ce que pensaient les gens qui vivaient là-dedans. À quel point ils devaient avoir l'impression que les Romains étaient des géants, ils devaient être des dieux de la technologie. Parce que vivre comme ça, construire des cahutes dans un espace en ruine aussi monumental, ça devait être... Enfin, vous avez vraiment le sentiment que les gens d'avant étaient des dieux, quoi, que, et qu'il y a un âge d'or qui s'est effondré. Mais voilà, ça donne ça. Donc imaginez au milieu des je sais pas, Place de la Concorde, ou sur Times Square à New York, un bidonville comme ça, qui ressemblerait à ça dans 300 ans. Truc absolument épouvantable, avec des gens qui se promènent avec des moutons comme ça. Image suivante. Donc là, c'est des images pour vous aider à visualiser. Hein, et dites-vous bien, imaginez, prenez des images modernes et voyez ce que ça donnera comme ça. Ça, c'est le Forum de Rome, donc le cœur véritablement de l'Empire romain, hein, puisque le bâtiment à droite, là, que vous voyez, c'est la Curie, c'est là où siégeaient les sénateurs. Et vous avez l'arc qui doit être l'arc de Septime Sévère avec ses trois arches au Moyen-Âge. Où là ça devait être un peu plus tardif, hein, c'était peut-être au 16e, 17e siècle, qui était redevenu un marécage, puisque le forum à la base c'était un marécage qui avait été asséché, et c'était redevenu comme ça, c'est-à-dire c'était dans un creux, donc vous aviez de la boue qui était revenue et qui était montée, et donc on voyait plus les pavés dessous. Aujourd'hui, quand vous allez visiter à Rome, vous voyez bien d'ailleurs que c'est très bas le forum, que la ville est construite plusieurs mètres au-dessus, et qu'il a fallu creuser pour aller retrouver le fond, parce que c'est un ancien marais asséché, donc c'était bas. Mets-moi l'image suivante. Et voilà, donc ça c'était pour vous donner là aussi, à Rome, je ne sais plus quel est ce théâtre, mais le théâtre qui devient un immeuble en fait, dans lequel on a construit des maisons et des bâtiments. Vous pouvez penser, j'aurais pu aussi vous montrer le fameux château Saint-Ange, hein, la forteresse des papes, qui était en fait le mausolée d'Adrien, hein, dont on a fait une forteresse, parce que c'était énorme. Je vous en ai pas mis de photos, mais bon, vous devez connaître, et sinon vous chercherez. Mets-moi la photo suivante. Voilà, alors ça, c'est pour que vous vous rendiez compte à quel point l'Occident s'était effondré. En haut, vous avez le palais de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Et donc il y avait ça, hein, et puis autour il devait y avoir quelques cahutes et puis des champs. Quelques cahutes envoyées en toit de chaume et puis des champs. Et en bas, vous avez à la même époque, le palais du Boucaléon à Constantinople. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte la différence. Je veux dire, vous avez un niveau raffinement équivalent à Versailles, au Boucaléon à Constantinople. Et en haut, à l'époque de Charlemagne, ce qu'on faisait de mieux, ce que faisait l'empereur d'Europe, c'était ça, hein. C'était Aix-la-Chapelle, c'était vraiment pouilleux, quoi. Hein. C'est tiers-monde. Il faut se rendre compte de ça. On n'a pas l'impression. On se rend pas compte à quel point. Mais si vous comparez Constantinople, qui avait conservé toute la splendeur de l'Antiquité, en fait, hein, tout était intact, avec Aix-la-Chapelle à l'époque de Charlemagne, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Alors, pour vous aider à visualiser un petit peu, je vous ai fait un tout petit montage, mais moi l'image suivante, qui est la Potsdamer Place à Berlin, qui est le quartier des affaires de Berlin, en fait, si vous voulez. Donc en haut, vous avez une image de à quoi ça ressemble maintenant, et en bas, vous avez une image que j'ai tirée de la série qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Netflix, Tribes of Europa, qui imagine un effondrement systémique, justement, et donc, autour de 2070, je crois, là, pour le coup, c'est un effondrement irruptif, c'est-à-dire que tout tombe en panne en 2030, je crois, et donc, tout le monde revient à peu près au Moyen-Âge comme ça. Et donc, vous voyez, imaginez ce que donneraient les ruines, et je pense que ça se rapproche bien de Canterbury ou de Périgueux avant, hein, ce retour de la végétation partout, et l'effondrement progressif, la ville qui tombe en ruine.
Et probablement qu'au bout d'un siècle, il y aurait un bon nombre de ces... au bout de 3 ou 4 siècles suivants, un bon nombre de ces immeubles se seraient cassés la figure, parce que, faute d'entretien, les immeubles, vous savez, ils sont très exposés au vent, hein, puisque plus vous montez, plus vous avez des mouvements d'air qui sont importants. Donc, les vitres se cassent progressivement et rendent les autres vitres de plus en plus, comme vous avez des courants d'air qui s'installent à l'intérieur des immeubles, qui se multiplient, et ensuite, donc, vous avez le vent qui pénètre. Ensuite, vous avez l'eau qui pénètre, le gel qui fait casser les trucs, et bon, c'est comme ça que la structure interne, y compris des immeubles, finit par se fragiliser. Donc, vous laissez un immeuble comme ça pendant 200 ans ou 300 ans sans que personne y touche, il finit par s'effondrer au moins partiellement. Hein. Pour imaginer à quoi ressembleraient des villes qui se recloîtreraient derrière les murailles, le plus simple c'est d'aller regarder ce qui se fait en Israël, hein, puisque c'est exactement ce qu'ils font par rapport au territoire palestinien. Donc c'est l'objet des images suivantes qui vous montrent le mur, voilà les murs en limite des villes israéliennes, et ensuite vous avez le territoire palestinien derrière qui s'entasse. Alors par contre je ne saurais pas vous dire de quel côté sont les Palestiniens, de quel côté sont les Israéliens, hein, pour le coup sur cette image là. L'image suivante est peut-être plus parlante. Enfin, en tout cas, ça vous dit à quoi ressembleraient les villes, je sais pas, en périphérie parisienne ou toulousaine, ou en périphérie de New York ou de Rome. Vous pourriez avoir des murs qui se montraient comme ça pour lutter contre les bandes d'envahisseurs, parce que si vous avez 400, 500, 600 motards ou colonnes de voitures avec des gens dedans qui sont armés de Kalachnikov, et que vous n'avez pas l'armée qui peut être là assez vite pour les arrêter, et ben pour s'assurer qu'ils viennent pas piller une partie de la ville, vous êtes obligé de prévoir ça avec des murs comme ça. Donc probablement que beaucoup de villes du futur Moyen-Âge, quelle que soit la région dans laquelle ce sera, ressembleront à ça. Vous avez aussi un truc marrant, c'est Détroit aujourd'hui, ça ressemble déjà à une ville en ruine. C'est l'image suivante que je vous ai mis. Ça ressemble déjà à Canterbury effondré, vous voyez, c'est pour le coup, c'est parce que c'est une ville qui est déjà ruinée, en fait, qui s'est assez largement dépeuplée depuis ses problèmes de désindustrialisation, de montée de la criminalité et tout, et ça vous donne une idée de à quoi ressembleront de nombreuses villes une fois qu'elles auront été abandonnées. Alors, donc il y a d'autres images ensuite qu'au fur et à mesure, il pourra vous faire défiler Guillaume, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que de voir que, bon, ça, ce sera le cas des villes, mais je vous ai dit, les villes ne font plus qu'une petite partie de la population, et la population redevient assez fortement rurale. Donc il faut imaginer un ordre dans lequel réapparaîtra progressivement un nouvel ordre féodal. Et donc ce nouvel ordre féodal, il faut imaginer, alors bon, il y a aussi d'autres choses dont je n'ai pas parlé, hein, c'est que vous aurez moins de médecins, vous aurez moins d'installations hygiéniques, donc ça, tout ça va faire également baisser très fortement l'espérance de vie. Hein. En Russie, après la chute de l'URSS, je crois qu'ils ont perdu une dizaine d'années d'espérance de vie, donc il n'est pas impossible qu'on perde 10, 20 ans d'espérance de vie dans les régions qui seront soumises à ce nouveau Moyen-Âge, hein, dans ces villes en ruine. Si vous pouvez penser aussi à dans Walking Dead, hein, les villes du genre Alexandria ou les choses comme ça, ou le sanctuaire de Negan, hein, ces espèces de nouvelles forteresses, vous aurez des choses qui se multiplieront comme ça avec des seigneurs locaux qui seront donc morcelés politiquement, et donc vous aurez des réseaux comme ça qui se créeront de nouvel ordre féodal. Avec différents niveaux seigneuriaux, hein, comme vous avez les chevaliers, les barons, etc., qui avaient des fiefs pas forcément la même taille. Mais vous aurez un système comme ça qui se mettra en place aussi. Vous aurez une sédentarisation de ces populations migrantes et guerrières, plus ou moins par la force des choses. Et vous aurez donc l'apparition de seigneuries locales, un peu à la Mad Max. Donc vous aurez des petites forteresses de béton, donc les villes seront bétonnées comme ça. Vous aurez aussi probablement des petites forteresses, hein, comme vous aviez des fermes fortifiées au Moyen-Âge. Donc, et puis pareil, les fortifications dépendront de la puissance du seigneur local. Donc on peut imaginer que vous aurez les plus petits seigneurs, eux, qui n'auront qu'un
qu'une sorte de blocos, hein, avec un confort qui sera très sommaire. Vous savez que les châteaux forts, c'était pas la joie, hein. Le mobilier, par définition, était mobilier, c'est-à-dire c'était des choses qu'on déplaçait tout le temps. Vous avez essentiellement des coffres et des tapisseries qu'on installait et qu'on enlevait, soit parce que c'était le moment de manger la journée, on faisait à table sur des tréteaux, le moment de dormir, on enlevait tout et puis on dormait. Enfin, c'était vraiment très 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 sommaire. Donc il y aurait des petits blocos comme ça, avec de l'équivalent du mobilier. Ils auraient peut-être quelques exosquelettes militaires, hein, quelques véhicules, des armes lourdes. Les seigneurs les plus un peu plus puissants, eux, ils auraient des complexes, où ils auront une partie résidentielle probablement plus confortable. Ils auraient des garages avec des blindés dedans, des hélicoptères. Et les très grands seigneurs, eux, ils auraient des aviations. Et comme les nobles du Moyen-Âge disposaient souvent d'outils de production qui étaient nécessaires à la collectivité et en étaient les gardiens, hein, ils avaient leur four, ils avaient leur moulin par exemple, où les paysans du coin venaient contre impôt moudre leurs grains ou faire cuire leur pain. Et bien on peut penser que tel seigneur local possédera une centrale électrique, tel autre aura une usine avec ses machines, un autre qui aurait une plateforme de forage en mer ou sur terre, un autre une fabrique de pétrole de synthèse, enfin vous pouvez tout imaginer, hein, avec ces choses-là, et qui se mènerait des guerres régulières, avec donc une armée qui serait... des tailles d'armée qui seraient très 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 faibles, et on peut imaginer d'ailleurs, mais moi l'image guerrier directement, fait un petit saut, voilà. Ce qu'il faut se souvenir donc, c'est que Juste avant, oui. Juste pour prévenir qu'on a un don, donc merci beaucoup à JS en liberté qui nous dit trop content de pouvoir vous écouter ce soir, donc merci beaucoup à lui. Ah, mais je suis ravi, j'espère que ça intéresse tout le monde. Donc qui dit renaissance d'un ordre féodal et régression civilisationnelle de manière générale, donc retour à beaucoup de culture orale et une culture, on va dire, plus primitive, et une culture guerrière, hein, puisque c'est la culture des nouvelles élites, et on n'est plus face à des élites marchandes aujourd'hui, hein, c'est plus les GAFA, Saint-Germain-des-Prés, le Marais, etc. Hein, ce sont des gens qui sont capables de se taper dessus, de trancher des têtes, comme les croisés à l'époque. Hein. Donc vous auriez des gens qui seraient des seigneurs de guerre, hein, simplement, et donc les seigneurs de guerre avec tout ce que ça implique de mentalité de seigneur de guerre, c'est-à-dire beaucoup de clinquant, de couleur, de paraître, et de courage de matamor. La chose militaire redevient une affaire personnelle dans laquelle il faut s'impliquer, puisque c'est ça qui fait l'autorité du chef. Je vous rappelle que sous l'Empire romain, César, sauf dans quelques cas dramatiques qui sont racontés où il fallait vraiment donner du courage à la troupe parce que la situation était presque désespérée, il s'exposait lui-même au combat. Le reste du temps, il était comme aujourd'hui dans les états-majors. Ah, j'ai un petit problème, il faut que tu me redémarres la caméra, je crois. Guillaume, elle a sauté. Ok. Parce que là, j'ai une tête idiote, ça. Enfin, je continue d'expliquer. Donc on avait une culture d'état-major, hein, sous l'Empire romain. Les armées romaines étaient commandées par des officiers qui se tenaient en arrière et qui dirigeaient essentiellement les mouvements de troupes avec une réflexion stratégique. Ça disparaît au Moyen-Âge. Jusqu'à Saint-Louis se battait avec ses troupes. Bon, avec les cavaliers, bien sûr, ils n'étaient pas à pied, mais enfin, ils se battaient, ils allaient au contact directement, ils se mettaient en péril. Péril comme n'importe quel soldat qui va directement au front. Vous aviez, à l'époque de Philippe le Bel encore, il chargeait avec toute sa famille. Un de ses ministres se faisait tuer à la bataille de Courtrai, hein, parce que les mecs étaient chevaliers et ils allaient au combat, ils allaient au contact. Ça fait partie de la culture, véritablement, c'est toute une culture qui change. C'est pas parce que ils pouvaient pas commander de l'arrière, hein, c'est pas ça. C'est que c'était pas la même culture. L'autorité du chef était fondée sur sa capacité à faire la guerre, à la gagner. Et donc ils se battaient eux-mêmes. Et donc tout ça, ça entraîne toute une culture de la montre, de l'apparence, donc il faut montrer de la couleur, il faut que ça en jette, il faut faire peur, il faut que ça impressionne.
Et donc il faut tuner en fait, et donc les mecs faisaient du tuning en fait, c'était ça, hein, avec c'est moi qui ai le plus beau surco avec le plus de couleurs. C'était mieux représenté au cinéma dans les années 50, je vous ai mis un petit extrait du film Les Chevaliers de la Table Ronde, qu'aujourd'hui on a tendance à toujours mettre des vêtements de terne, etc., alors que le Moyen-Âge était extrêmement coloré, hein, parce que c'était justement, ça faisait partie de la culture de montrer beaucoup de couleurs comme ça. Et donc si on a un nouveau Moyen-Âge, je pense que les chars d'assaut seront peints, j'ai essayé de vous mettre des images de ça, que les avions seront, s'il y en a encore qui volent, après ce sera peut-être des gros drones, hein, je ne sais pas, mais enfin, si ceux qui voleront seront probablement, alors ça existe déjà, on le fait pour certaines parades et certains événements, mais probablement que ils seraient tous comme ça, peints, parce que c'est les chevaliers du ciel, hein, vous auriez des chefs probablement qui conduiraient leurs troupes en pilotant leurs avions de chasse, par exemple, ou d'attaque au sol. Oui, je vous avais mis une image des armées croisées aussi de Kingdom of Heaven, qui est très, très pavoisée et qui, pour le coup, avait de bons costumes. En bas, vous avez... On a un don de Zach, donc merci beaucoup à Zach, et qui nous dit, en gros, on passe de Yann Moax à Booba. Ben, c'est un peu ça, hein, un peu ça, oui, effectivement. Qui est déjà là, d'ailleurs, donc on voit déjà le nouveau Moyen-Âge arriver. Et donc, justement, en parlant de Booba, en bas, vous avez du gros son. Alors ça, c'est une image qui vient de Mad Max Fury Road, avec le camion avec toutes les baffles dessus, mais il n'est pas impossible, effectivement, que, comme on se battait à grand renfort de trompettes et tout, ça fait aussi partie du bling-bling, hein, de tout l'apparat. Il y aurait peut-être, outre les tanks colorés, des trucs qui envoient de la musique à fond, parce que ça fait partie de cet art de la guerre féodale qui n'est pas l'art de la guerre des sociétés modernes, et qui n'était pas l'art de la guerre. Je vous l'avais expliqué quand j'avais fait le détail de la civilisation A. Si vous prenez le début de la période grecque, à l'époque où Homère écrit l'Iliade, il décrit une société de nobles qui font la guerre essentiellement. La guerre est une activité qui implique peu de troupes, où les gens sont beaucoup dans la démonstration de mat à mort, où ils sont beaucoup dans le duel, hein, et dans la prouesse, dans le culte de ça. Alors que la guerre de masse, à partir du moment où on a des hoplites, des citoyens soldats, on est beaucoup plus centré sur la discipline, le courage dans la cohésion, etc. C'est pas la même chose, hein, c'est pas le même art de la guerre. Vous avez une conférence de Laurent Henninger qui l'explique très bien. Je crois que c'est dans Penser les forces armées. Un truc qu'il avait fait au Cercle Aristote qui vaut vraiment le coup. Laurent Henninger est un type passionnant. Et voilà, et donc probablement même les soldats, alors ça c'est sorti, je crois que c'est dans Call of Duty Black Ops, j'ai pas trouvé beaucoup mieux. Alors c'est difficile d'imaginer d'autres trucs parce que paradoxalement, il y a peu de... D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de science-fiction... post-apocalyptique qui envisage simplement un nouveau Moyen-Âge, ou alors on tombe carrément effectivement dans le Mad Max, qui est amusant mais forcément un petit peu caricaturé, même si ça va dans la bonne direction, parce que c'est le fait de retrouver ce genre de culture-là de l'apparence et des guerriers kékés un peu, parce que c'était un peu ça, et du tuning de véhicules. Donc ça c'est l'ordre féodal guerrier. Donc je disais, les grands seigneurs détiendront les appareils de production. Vraisemblablement il n'y aura plus de réseau électrique par exemple comme on en connaît aujourd'hui. Donc soit on reviendra de la production locale avec des procédés qui sont déjà inventés aujourd'hui. La méthanisation, les éoliennes, le solaire. Peut-être qu'il y aura aussi des outils de... Si on arrive à développer la fusion nucléaire, il y a des promesses comme quoi d'ici 10 ans on y arriverait, grâce à certaines entreprises comme Lockheed Martin par exemple qui vise la miniaturisation, mais je crois qu'il y a des Chinois aussi qui cherchent plutôt dans ce sens-là. Ça serait fabuleux, parce que vous pouvez avoir... L'idée c'est d'avoir un moteur à fusion nucléaire qui se fasse la taille d'un camion qu'on puisse mettre dans un semi-remorque, quoi. Donc à ce moment-là c'est beaucoup plus intéressant que l'éolien ou le solaire, bien sûr. Mais même sans ça, si vous avez une centrale électrique locale, un seigneur qui possède un barrage par exemple hydroélectrique, il s'en servirait vraisemblablement pour alimenter la contrée, mais il peut plus y avoir des sauf à ce qu'il y ait un royaume qui se recrée avec un seigneur féodal suzerain qui peut assurer la paix, vous pouvez plus avoir de réseau électrique qui s'étend sur des centaines de kilomètres, évidemment. Donc voilà le... Alors,
Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit juste avant, où tu as dit qu'il n'y a pas tant de fiction que ça, qui imagine un nouveau Moyen-Âge après une apocalypse, une Ouais. chute et tout ça. Mais il y a quand même un jeu en particulier, je ne sais pas si tu as joué, c'est Fallout New Vegas. Non, c'est vrai que je connais Où, pas bien les Fallout, mais bah, pour résumer vite fait, l'univers des Fallout, bon, il y a eu une guerre nucléaire, il y a eu des humains qui ont survécu dans les abeilles et tout ça. Ouais. Mais dans le New Vegas particulièrement, ce qui est assez amusant, donc c'est un univers qui se prend pas tellement au sérieux, mais dans la trame principale, on peut voir une faction qui s'appelle la New Republic California, New California Republic, Ouais. qui parodie les USA, se battre contre, bah, contre des légionnaires romains qui ont adopté une sorte de tradition guerrière, mongole, barbare. D'accord, ouais. Mais d'ailleurs, du coup, dans Tribes of Europa, ils vont un petit peu dans ce sens-là. Bon, pour l'instant, c'est une série qui a que 6 épisodes, donc c'est difficile de savoir, mais ils vont effectivement dans cette idée, avec la renaissance d'une espèce de féodalité aussi en Allemagne. C'est intéressant. Donc voilà pour le truc. Pour les nouvelles technologies, à mon avis, on ira beaucoup. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je pense que ça favorisera. On sent que déjà dès la fin de l'Empire américain, vers laquelle on approche, on va avoir des technologies qui vont apparaître, qui vont favoriser l'émergence d'une noblesse guerrière très centrée sur la prouesse. Avec ce changement, vous voyez, on dirait que les deux vont ensemble, l'évolution sociale, que presque l'évolution militaire anticipe l'évolution sociale en lui donnant les outils de ça. C'est-à-dire qu'à la fin de l'Empire romain, on a la cavalerie lourde qui s'est développée progressivement, qui allait ensuite donner naissance à la chevalerie au Moyen-Âge, et la chevalerie qui est par excellence l'outil de combat de la noblesse, parce que pour je sais plus combien il fallait de villages pour entretenir un chevalier en armes au Moyen-Âge, hein, ben dans les conférences de Laurent Hininger, il en parle, donc il le dira, hein, vous pouvez aller le voir, je crois que c'est dans celle-là qu'il en parle. Donc pour entretenir l'équipement d'un chevalier, la cotte de mailles, etc., c'était de la haute technologie, ça coûtait très cher à l'époque, il fallait plusieurs dizaines de familles au travail, hein. Et donc avec la technologie qui fait que on a tendance à aller vers moins d'équipements militaires en quantité, mais de plus en plus puissants individuellement, on évolue vers ça, et en particulier, je pense, avec le développement des exosquelettes, et notamment des gros exosquelettes puissants. Là, tu peux mettre l'image exosquelette parce que c'est amusant. Voilà, donc en gros, vous avez deux types d'exosquelettes bien célèbres de la science-fiction. À gauche, c'est celui de Matrix. Qui défend la cité de Sion dans le troisième épisode, et à droite, c'est me semble-t-il, je sais plus si l'image vient vraiment de je pense pas que l'image vienne du film, ou en tout cas, c'est simili, ça ressemble à ceux qu'il y a dans Avatar, qui sont aussi des gros exosquelettes qui font 4-5 mètres et qui sont pilotés par un type à l'intérieur. Et en bas, vous avez un truc qui a été fabriqué par un type qui, je crois, s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Tippett, le gars. Alors, ça se voit pas forcément sur l'image là. Vous irez chercher. À moins que Guillaume puisse afficher la vidéo directement pour montrer un extrait sur l'émission, mais si vous voulez, ce truc, il a quatre pattes en fait. Il avance, il est piloté par un type qui a une sorte d'exosquelette à l'intérieur de la machine en fait. Il est suspendu au niveau de la taille. Il a les bras et les jambes qui sont sur un exosquelette, et ça le truc reproduit ses mouvements, en fait, avance, et c'est un énorme exosquelette. Vous voyez, le type, il est tout petit au milieu, quoi. Il est vraiment. Vous voyez, l'exosquelette est gigantesque, et il arrive. Le mec fait des kilomètres avec ça. Il marche en forêt, il marche dans le désert. C'est très très amusant. Donc, le truc n'est pas encore armé. Le type, il a fabriqué ça en gros. Pour s'amuser, je pense qu'il essaie peut-être aussi de faire une preuve de concept pour arriver à vendre son truc, mais je trouve ça extrêmement intéressant
parce que vous voyez que technologiquement, en gros, tout est là. Il y a juste à l'améliorer un peu, arriver à lui donner de meilleures batteries et arriver à le rendre plus souple, parce que le truc est encore un peu pâteau. Mais si vous voulez, la robotique dans l'état où elle est aujourd'hui fait que ce genre de choses arrivera. Et ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que ça, c'est très cher. Hein, donc dans ce nouveau Moyen-Âge qu'on aurait, il faudrait effectivement plusieurs dizaines de familles pour arriver à financer la fabrication et l'achat d'un truc comme ça. Mais ça permettrait, ça serait le cœur des armées, serait l'équivalent du chevalier en armure. Ça n'empêche pas que vous avez la piétaille à côté. En général, pour un chevalier en armure, vous aviez une dizaine de types derrière qui étaient à pied. Et quand on parle de lance dans les armées médiévales, on désigne le nombre de chevaliers, mais il faut multiplier par à peu près 10 pour avoir la totalité de l'armée, de la population, du nombre de l'armée, parce qu'il y avait tous ces suivants, les gendarmes, etc. Mais voilà, ça c'est typiquement, vous voyez, on pourrait avoir des combats de, je sais pas, de chevaliers avec de chaque côté 10 types comme ça, 10 types en armure, et entourés d'une cinquantaine de ou d'une centaine de types à pied, avec des armes un petit peu plus sommaires ou avec de simples exosquelettes comme ceux que je vous avais montré la dernière fois, l'exosquelette russe. Voilà, je pense que vous voyez les images. Si tu vas vers le... Attends, je vais le faire moi-même. C'est par là qu'on doit le voir bouger. Voilà, vous voyez, ce truc qui marche de manière très très, très amusante. La technologie est déjà là. Hein. Le truc bouge. Il peut grimper sur les obstacles, il peut grimper sur des camions. Et le type, à l'intérieur, vous voyez comment il est fichu. Il est suspendu, plus ou moins, à moitié à plat ventre, à moitié debout. Et il active les commandes avec à la fois les jambes et les bras qui sont pris dans des harnais. Qui, exactement comme si vous regardez Avatar, si vous regardez la scène où Quaritch, il monte dans son truc, c'est comme ça. Alors, bon, on lui voit pas les jambes, mais on lui voit les bras qu'il installe. Et ça s'appelle le prosthésis. Voilà sa machine, vous voyez, le mec met ses bras, met ses jambes, et ensuite il fait faire les mouvements. Donc imaginez le même truc avec des batteries super puissantes qu'il a déjà, hein, puisque pour arriver à faire tout ça, c'est déjà bien foutu, blindé et armé, et puis vous avez une véritable machine de guerre. Du futur. Et alors, ce qui est très intéressant en plus, c'est que ce type a fabriqué ça tout seul, ou à peu près tout seul, et ça ramène aussi à une autre chose qui est caractéristique du Moyen-Âge, c'est que c'est la fin de la standardisation. Et donc, vous aurez tout un tas d'industries qui redeviendront artisanales. Et il est probable que donc les gens refabriqueront des ordinateurs eux-mêmes. Bon, vous aurez quelques types locaux qui seront plus forts pour s'en débrouiller, mais probablement que les choses deviendront aussi plus résistantes. Vous aurez peut-être des gens qui se feront passer les ordinateurs de génération en génération, comme on le faisait pour les charrues ou pour certains outils. J'imagine, hein, peut-être je vais trop loin, mais les choses, voilà, deviennent plus durables. Vous aurez beaucoup de choses qui seront rapiécées et qui dureront, mais sur le mode un petit peu comme on les trouve aujourd'hui dans le tiers-monde. Hein. Vous avez beaucoup de choses qui sont comme ça, recyclées, réutilisées, réparées, ou plutôt bâtardes. Voilà donc à quoi ressemblera ce Moyen-Âge, avec donc des guerres et pendant longtemps un espace politique qui sera incertain, jusqu'à ce que réapparaisse progressivement la civilisation et des États-nations en particulier dans les airs que j'ai désignés avant. Et avec la construction de ces États-nations, donc vous aurez une civilisation A véritablement, donc, qui réapparaîtra et qui entrera ensuite dans la deuxième phase, qui seront, on va dire, les nouveaux temps modernes. Et ces nouveaux temps modernes, nous en parlerons la prochaine fois, nous expliquerons vers quoi ils iront. Ça sera la nouvelle renaissance et la nouvelle colonisation, le nouveau tout, quoi. Et notamment, c'est à ce moment-là, peut-être qu'on pourra mettre le nez un petit peu dans les étoiles. Mais pendant que la civilisation A sera dans cet effondrement, je vous rappelle que à Constantinople, c'était comme ça, hein, c'était une ville qui avait gardé toute la splendeur de l'Antiquité,
Et donc on peut imaginer voilà, ce que serait un Paris, on va dire, byzantinisé, si jamais c'était l'Europe qui restait un empire européen, un néo-empire byzantin, ou sinon c'était en Chine d'ailleurs, c'est-à-dire des sociétés plus encore technologisées. Bon là, Paris, ce serait un Paris qui se serait encore verdi, mais qui conserverait la splendeur ou qui l'accroîtrait, qui est celle de... d'aujourd'hui, voilà, donc pour cette partie du monde là, mais ensuite le rapport s'inverserait puisque la civilisation A devient plus technologique, plus puissante, plus innovante, notamment en cause de la concurrence qui règne entre ces différentes entités politiques, mais ça donc on le verra dans la prochaine émission qui traitera de la suite de ça et jusqu'à la fin de ce quatrième âge dans lequel on a essayé de se projeter. Voilà ce dont je pouvais vous parler ce soir et nous allons pouvoir passer aux questions supplémentaires qu'il peut y avoir. Oui. Alors, on commence par une question de KB. À quoi que celle-là, peut-être que tu vas la traiter pour la prochaine émission, mais bon, je la pose quand même. Bonjour, est-ce que la première colonie martienne deviendra la nouvelle civilisation B, futur empire conquérant de la Terre? Merci. Je parlerai pas de ça la prochaine fois, parce que je pense qu'il y aura une colonisation, mais qui sera pas la colonisation qu'il peut y avoir maintenant. Et ça, c'est dans la dernière émission que j'en avais parlé, me semble-t-il, c'est que il y aura pas de colonisation véritablement de l'espace pendant la durée de l'Empire américain, c'est-à-dire le siècle qui vient. Ce qui ne veut pas dire effectivement qu'il n'y aura pas une première colonie martienne. Et je pense que donc la question qui m'est posée, c'est ça. C'est est-ce que la première colonie martienne, par exemple, qui serait fondée par Elon Musk, ce serait elle la civilisation B dans 1000 ans ? Réponse pour le coup, non, puisque elle aurait des origines bien trop anciennes. Or, la civilisation B, ce qui la caractérise, c'est qu'elle fait une révolution indépendantiste par rapport à la civilisation A ou à une civilisation qui est proche de la civilisation A, comme les Étrusques, pour Rome. Donc s'il y a une colonie qui est créée sur Mars, par exemple, soit je pense qu'elle elle s'éteindra, parce que probablement une grande partie des liaisons avec avec la Terre seront coupées, en raison de la plongée dans ce nouveau Moyen-Âge et de l'effondrement systémique. Soit il y aura une liaison qui sera... soit elle disparaît parce que la liaison est coupée, soit la liaison est coupée mais elle arrive à rester autonome parce qu'elle se sera suffisamment développée, elle aura développé une capacité industrielle locale pour arriver à construire d'autres dômes, par exemple, pour faire de la culture sur place, et auquel cas elle se développera de manière autonome. Soit l'endroit où la civilisation se maintiendra, hein, par exemple dans le cas d'un empire byzantin européen ou byzantin asiatique, les liens sont maintenus, ça lui permettra de continuer à se développer, mais ça sera pas ça la civilisation B, même si elle pourra apparaître sur Mars, à ce moment-là, ça voudra dire que Mars sera colonisé, mais par la nouvelle civilisation A, et donc à ce moment-là, les descendants des colons déjà sur place seront plus considérés comme une population autochtone que membres de la nouvelle colonisation. Mais on le verra effectivement la prochaine fois, pour le détail. D'accord, question du roi des chats. Monsieur Fabry ne pense-t-il pas que les USA ont atteint leur optimum impérial dans les années 90 et qu'ils vont se rétracter, que la confrontation n'aura pas lieu? Alors je crois que j'ai déjà répondu à ça dans les émissions que j'ai fait précédemment. Mais c'est vrai que l'étendue de la puissance atteinte par les Américains dans les années 90, ça peut nous faire penser qu'on est plutôt sur un schéma comme celui des Mycéniens, j'avais dit, où en gros l'apogée dure pas très longtemps. Donc par exemple, peut-être que de la confrontation qu'il va y avoir là géostratégique, les États-Unis vont sortir immédiatement épuisés et que l'effondrement aura lieu avant la fin du 21e siècle. Dans les 10 ans qui viennent, je pense pas, et moi je reste persuadé malgré tout que ils ont jusqu'à la fin du 21e siècle quand même bien tapé, je pense. Je pense qu'aujourd'hui c'est prématuré et je pense qu'ils ont encore une guerre à gagner, mais qu'après ça va devenir plus compliqué.
D'accord, on a une question de On. Bonsoir Monsieur Faboy, une question pour la fin d'émission. Je vous sais très critique à l'égard de la Russie et de Poutine. Que pensez-vous du point de vue de Xavier Moreau, analyste français résolument pro-Poutine ? Je crois que j'ai entendu juste une vidéo de lui à propos du film de Navalny, là. J'ai du mal à... du coup, je connais peu ce qu'il dit d'autre, et j'aurais du mal à expliquer autre chose. Après, j'ai déjà expliqué, moi, pourquoi j'avais une hostilité vis-à-vis de Poutine. J'ai surtout une hostilité vis-à-vis du choix que feraient les Européens de Poutine, parce que... Parce que je pense que ça nous mettra mal avec les États-Unis, et je renvoie à l'émission sur l'Europe et sur la dissolution de l'Union européenne pour voir ce que ça peut avoir de néfaste de se mettre mal avec les États-Unis. Voilà, donc c'est plus par souci de l'avenir des nations européennes que par détestation de Poutine lui-même que je suis hostile à ça. Mais du coup, pour répondre typiquement à Xavier Moreau, je peut dire que je connais pas, pratiquement pas. Donc je peux difficilement répondre à la question. On a une question de Tonton Bismarck. Que faites-vous de l'imprévu dans l'histoire? Ben, je pense avoir déjà expliqué, il faudra peut-être que je fasse une émission complète là-dessus, parce que je fais la différence entre ce que j'appelle l'histoire nécessaire et l'histoire contingente. Ce qui est imprévu, c'est l'histoire contingente. Et je pense que de l'imprévu, il y en a quand même pas mal. Quand je vous dis, je ne sais pas si la future civilisation A sera Asie-Pacifique ou sera plutôt côté Atlantique, c'est quand même un gros imprévu, ça. Hein, je suis pas allé vous prévoir des trucs dans le détail, exactement, il se passera ça, il se passera ça, non. Moi, je vous ai expliqué ça comme je le vois. C'est-à-dire que ce que je peux dire, c'est qu'il y aura une nouvelle civilisation A et qu'elle apparaîtra, et je vous expliquerai les critères qui sélectionneront l'endroit où elle pourra apparaître et où elle apparaîtra de manière le plus probable. Mais quand je vois deux endroits où c'était plus probable, je vous dis, il n'y a pas de... je ne peux pas vous dire à quel endroit. Voilà, pour moi. Et donc, c'est vrai qu'une partie de mes travaux, ça se base aussi là-dessus, ça se base sur quelle est la part exactement de la contingence. Bon, j'ai écrit un bouquin entier là-dessus, qui s'appelle La structure de l'histoire, que vous pouvez lire si la question vous intéresse. Je sais que c'est pas ce qui intéresse la plupart des gens, mais... voilà, c'est faire la différence entre les choses qui doivent avoir lieu et le comment ça aura lieu. Il y aura une autre civilisation A qui réapparaîtra sur les ruines de l'ordre mondial et de l'effondrement systémique. Après, où est-ce qu'elle sera exactement? Je peux donner deux hypothèses parce que je n'en vois pas de troisième. Ça sera une de ces deux-là, mais je ne sais pas laquelle. Et dans le détail, je vous ai donné à peu près des idées de comment se formeraient les États, mais je ne peux pas aller plus loin que ça. Ça me laisse quand même pas mal d'imprévus, mais tout n'est pas effectivement imprévu. L'histoire n'est pas un imprévu absolu. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient ça aussi. Je sais qu'il y a des gens... Ah, il faut que je me relance la caméra. Je sais qu'il y a des gens... À chaque fois, je fais des têtes pas possibles. Je sais qu'il y a des gens qui supportent difficilement l'idée que l'histoire soit déterminée au moins en partie, parce que ils veulent croire qu'à peu près tout est possible, et souvent en plus, ce sont des gens qui ont une certaine vision du monde, un espoir pour le monde, et si on leur dit « non, ça fait pas partie de l'ordre des possibles », c'est décourageant et ça leur plaît pas, et je le comprends. Mais c'est, je veux dire, c'est comme ça, quoi. D'accord, question du roi des chats. Avec l'effondrement économique, l'Europe va-t-elle continuer à être une destination de migration? Probablement pas. Effectivement, ça fait partie du truc. Mais tout dépend à quel niveau d'effondrement économique elle est arrivée quand ça s'arrête. Parce que, en attendant, il y a des populations qui sont là et qui, dans le cadre d'un effondrement économique en soi, poseront problème. Vous avez tout un tas de populations qui vivent dans des banlieues en France ou dans d'autres pays d'Europe, mais particulièrement en France en volume, qui se tiennent tranquilles essentiellement parce qu'on les arrose d'aide sociale. Si cette aide sociale n'existe plus, ce sont des bandes qui vont devenir des bandes de pillards. Et à ce moment-là, ça lance de toute façon, avec déjà le cheptel de population que vous avez sur place, ça lance le mouvement de la ruine, des problèmes de voie de communication, de l'exode, etc., etc. D'accord? Donc en soi, ça suffit pas forcément, c'est pas juste... je pense pas qu'on puisse juste voir la ruine économique comme... du coup, on aura moins d'immigrés. C'est parce que ça sera pas confortable malgré tout.
Mais oui, il est probable qu'il n'y aurait pas d'immigrés supplémentaires qui viendraient, pour le coup. On vient de recevoir un don de Monsieur Jaidena, donc merci beaucoup à lui. Merci. Qu'en est-il du progressisme dans le prochain Moyen-Âge? Les facs de sociaux existeront-elles toujours? Alors, d'abord, pensez à mettre des pouces bleus, hein, parce qu'on ne vous l'a pas rappelé ce soir, hein, ah oui, très important. Je ne l'ai pas dit, mais pensez à mettre du pouce bleu, partager, tout ça, tout ça. Alors, le progressisme... je pense qu'on est arrivé à la phase maximale là, du progressisme, et ça va, ça peut pas monter plus loin dans le progressisme. Ça a existé à Rome, parce que je n'en ai pas parlé, mais l'apogée de l'Empire romain, c'est aussi le grand n'importe quoi dans les mœurs. C'est aussi des formes de mariage homosexuel, ou de mariage entre travestis. C'est le poète Juvénal qui en parle, hein, il raconte ça. Juvénal, c'était un gros réac, alors c'est marrant de le lire parce qu'il est catastrophé de voir ce genre de choses-là. Et il le décrit. Et il n'empêche que 300 ans plus tard, à Rome, on brûlait les homosexuels. Donc il faut bien comprendre que c'est pas linéaire le truc vers le progrès, et on va dire cette sorte de déconnexion des mœurs par rapport à la nature humaine avec l'admission d'à peu près tout et n'importe quoi, c'est vraiment le sommet du truc, et après ça régresse. Et à Rome, c'est ce qui s'est passé, puisque passé le deuxième siècle avant Jésus-Christ, ça a été la montée des religions orientales, et ensuite du christianisme, et surtout des morales orientales qui sont très qui étaient beaucoup plus strictes. Et c'est sous l'influence du christianisme, à la fin de l'Empire, qu'ont brûlé les homosexuels. Donc, dans le cadre d'un retour au Moyen-Âge, si vous voulez, en plus, tout le progressisme, c'est un truc de pays riches, ça. De pays, de gens qui n'ont pas à travailler pour gagner leur vie, qui n'ont pas à aller à l'usine ou à descendre à la mine. C'est des gens qui font des études jusqu'à 25 ans, et surtout les gens qui font des études jusqu'à 25 ans, qui font des études inutiles, qui ne les mèneront pas à un travail. C'est pas les gens principalement des écoles d'ingénieurs, hein, qui nourrissent les thèses gauchistes. C'est les gens qui sont en sociaux, c'est les gens qui sont en sciences po, c'est les gens qui font, voilà, c'est-à-dire qui font des non-études, en fait, des études qui ne destinent absolument aucun métier, dans lesquelles les gens n'apprennent pas véritablement de technique, et surtout qui servent de voie de garage et pour faire des études à des gens qui des fois sont enfants d'une certaine bourgeoisie, qui n'auront jamais véritablement à travailler parce que il y aura toujours papa maman derrière, et donc dès que vous êtes ramené à une situation où les gens doivent travailler normalement, on revient à un ordre social normal, tout ça, ça disparaît, ça s'effondre. Et quand vous revenez à une situation normale, c'est la place de la femme, c'est à la cuisine. Hein, vous retombez sur la morale qui aujourd'hui est essentiellement une morale africaine. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens, c'est eux qui osent dire des trucs comme ça, et on voit des vidéos où ils disent des trucs comme ça. Pourquoi ? Parce que là-bas, ils peuvent pas se poser ce genre de questions. Si vous avez le niveau économique de l'Afrique, c'est pas le délire. Hein. C'est vraiment un truc de gens fatigués, ennuyés, et qui ont plus que ça à penser, quoi. Donc une fois passé l'abondance économique, on revient aux fondamentaux, j'ai envie de dire. Et donc, assez logiquement, tout ce progressisme disparaîtra. S'il n'a pas d'ailleurs déjà été bouffé avant, simplement parce qu'on voit déjà le mouvement, hein, quand on parle d'islamo-gauchisme, c'est la tendance de la gauche à chercher toujours à aller plus loin, et qui en même temps est en train de se faire doubler par les racialistes, indigénistes et islamistes, et qui eux n'ont pas les mêmes préoccupations pour les droits des homosexuels et des transsexuels. Et donc ils les boufferont probablement, donc on est exactement dans la même logique, peut-être plus rapide que ce qui s'est passé sous l'Empire romain. Voilà, cette fois-ci j'ai fini, tu peux poser la question suivante. Oui, c'était le temps de muter mon micro. Alors, une question de Milisha, pardon. Est-ce que le concept de guerre d'extermination est quelque chose qui pourrait voir le jour? Ça dépend, guerre d'extermination de qui, de quoi?
Il y aura des massacres de population, effectivement, quasi génocidaires, des endroits où on massacre la totalité de la population masculine et on prend les femmes. Ça oui, c'était le cas pendant ce genre d'effondrement, ça arrive, oui. Après, c'est pas de la planification d'extermination véritablement non plus, c'est plutôt... Vous savez, quand les Mongols ont massacré les trois quarts de la population iranienne au XIIIe, XIVe siècle, s'ils l'ont pas massacré par but d'extermination, c'est juste qu'ils ont réadapté, ils ont conquis l'Iran et ils ont réadapté son paysage économique à leur culture à eux, qui était une culture nomade et de pâturage. Et donc ils ont détruit toute l'agriculture locale. Et ça a eu pour conséquence d'affamer les populations locales qui sont mortes. Mais c'est pas que les Mongols avaient pour but de massacrer les populations locales. C'est que c'était une conséquence des changements qu'ils avaient apportés. Donc, je pense pas qu'on va chercher la guerre d'extermination véritablement. Essentiellement, ce qui caractérise l'effondrement systémique, c'est que ce sont des guerres qui sont des guerres de survie, et chacun cherche à survivre, et tue beaucoup plus que d'habitude parce qu'il pense que ça fait partie de sa survie, mais ça passe pas nécessairement par des massacres idéologisés ou ce genre de choses. D'accord, on a une question de Hamza à propos de l'Empire Panturc. Quel sera son rôle dans cette nouvelle configuration du monde et son rôle dans cet islam 2.0. Ben alors logiquement l'Empire Panturc il sera déjà dépassé puisqu'il aura été je pense qu'il aura été vaincu par l'Empire américain avant hein, puisque dans le scénario que j'ai donné ça doit se passer à peu près autour de 2060 et à cause du cycle puisque j'avais dit que ça suivrait le même cycle que les impérialistes revanchards que Staline tout ça que après Staline tout ça donc quel rôle il aura plutôt un rôle dans l'effacement de l'islam que dans son réveil, mais en même temps il permettra son réveil puisque c'est probablement que la défaite de cet empire panturc et son effondrement favorisera l'apparition assez marge hein, comme je disais tout à l'heure, probablement vers l'Afghanistan en Europe centrale ou un truc comme ça de ce néo-islam, de la même manière que c'est l'effondrement de l'empire sassanide civilisation D également qui avait favorisé l'émergence de l'islam et ses conquêtes, et en même temps que déjà sa ruine auparavant avait par ricochet ruiné une partie de l'économie marchande de l'Arabie qui était périphérique à l'économie sassanide, et donc favorisé notamment l'agitation mystique et qui avait produit des prophètes, et dont Mahomet. On a encore une question du roi des chats. Que pense M. Fabry des dynamiques religieuses en Afrique subsaharienne, avec de nombreux, entre parenthèses, prophètes, et la possibilité de l'émergence d'une nouvelle religion? Ben peut-être que ça naîtra par là-bas, hein. Peut-être que je sais pas, au Mali par exemple, dans le désert malien, qu'apparaîtra le nouveau prophète, c'est pas impossible du tout. Pas impossible que le néo-islam apparaisse dans la partie aujourd'hui musulmane de l'Afrique qui serait laissée à l'abandon lors de l'effondrement systémique. C'est possible. Question de Alker. La France finira-t-elle dans les mains des Marocains ou des Algériens ou des Turcs, avec les Maghrébins soumis à ces derniers, ou aux Subsahariens? Ça je peux pas dire parce que ça dépend, encore une fois, s'il y a un sursaut anti-migration dans les 20 ans qui viennent, on va dire, ou s'il n'y est pas. Et s'il n'y est pas, de toute façon, une grande partie, y aura déjà eu un gros métissage qui existe déjà d'ailleurs en France, et donc ça ne sera pas vraiment le règne des Marocains sur les Français ou quoi, c'est juste un changement de la composition de la population, mais c'est plus diffus que ça. Question de Thomas DH, les nouvelles technologies disruptives, la génétique, l'intelligence artificielle ne nous permettront pas d'éviter un nouveau Moyen-Âge? Non, je pense pas. Je vois pas pourquoi, parce que je vois pas en quoi ça entrerait en ligne de compte dans tout ce que j'ai expliqué.
si vous regardez en quoi les progrès technologiques nous protègent aujourd'hui des réglementations écologiques pour lutter contre le réchauffement anthropique, contre les taxes, contre l'interdiction des pailles en plastique qui nous oblige à boire dans ces pailles en carton qui ont un goût dégueulasse, ça n'empêche pas. Donc je pense que c'est de notre ordre et que voilà. D'accord. Une autre question de Alcar. Que pense Philippe Fabry de l'œuvre de Pierre Legendre ? C'est qui déjà Pierre Legendre ? Non, mais ça me dit quelque chose. Ce nom me dit quelque chose. Pourquoi est-ce que je l'ai pas ? Je fais ça en recherche Google. Ouais, pose-moi une autre question en attendant et j'y reviendrai après. Alors, on a une question de Samuel Antoine. Question pour Monsieur Fabry. Bonsoir et merci pour cette émission. Quelle politique doit-on mener pour favoriser l'apparition d'un empire byzantin qui empêcherait l'effondrement européen ? Il faut qu'il y ait un sursaut contre l'immigration et qu'il fasse que dans le siècle qui vient, on réoriente, déjà on évite qui est une immigration supplémentaire qui arrive en Europe, parce que l'immigration, encore une fois, ça favorise l'émergence de la société de défiance, je dis, et de dégradation des institutions, parce que ça crée de l'hétérogénéité ethnique et culturelle, et que l'hétérogénéité ethnique et culturelle favorise la défiance d'un groupe à l'autre et favorise l'éclatement de la société. Donc, si l'Europe se reprend en main, évacue une partie, je dis bien une partie de la population immigrée qui est arrivée ces 50 dernières années, parce qu'il y en a toute une partie qui peut rester, qui n'a pas de problème, sans poser de problème, mais évoque les parties les plus violentes et les moins adaptables, et qui sont souvent en arrivée plus récente, et d'autre part, empêche l'arrivée de nouvelles populations et oriente les futurs flux en dehors d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elle les envoie en Turquie ou à l'Est vers la Chine, etc. Dans ce cas-là, ça sera l'hypothèse de l'Empire byzantin européen qui sera favorisé. Dans le cas contraire, non. D'accord, donc du coup, Pierre Legendre, c'est un historien français du droit et psychanalyste. Il a fait un livre, Le Loi et l'inconscient. Et aussi Dominium Mundi, l'Empire du Management. Alors en fait, ça me dit rien du tout, donc je ne peux pas répondre à la question. Bon, question suivante. Ah bah, avant ça, on a un don, donc merci à Charlie pour son don. Et on a beaucoup de dons ce soir, merci beaucoup. Petit don pour le Tchad, Philippe Fabry. Merci. Question suivante du coup, une question de JS en liberté. Pourquoi partez-vous du principe que si les Africains n'émigrent pas en Europe, ils émigreraient automatiquement en Asie ? Alors parce que je les vois pas rester en Afrique vu la pression démographique qu'il y aura, et je pense qu'à ce moment-là on essaierait de les dérouter, hein, tout simplement, un petit peu comme Erdogan utilise beaucoup de flux de population par exemple aujourd'hui vers l'Europe. Donc, je pense qu'on les dérouterait et qu'on essaierait de les envoyer plus loin. On peut pas les, on, je pense pas qu'on pourrait les laisser en Afrique, hein. Il y aura de telles, je vous dis, regardez la taille du Nigeria, imaginez 700 millions de personnes là-bas. Alors à moins qu'ils subissent des famines et qu'ils s'entre-exterminent tous, mais de toute façon, même s'ils s'entre-exterminent, vous aurez une petite partie de ça qui s'en ira. Et si vous avez, 10 millions de types sur 700 millions qui s'en vont, c'est déjà énorme. C'est un flux, c'est 10 fois le flux migratoire de 2015 qui a déjà traumatisé l'Europe. Donc il faudra bien les envoyer ailleurs. Mais effectivement, qu'ils partent vers l'Asie, par exemple, qui serait riche à ce moment-là. C'est pas le plus évident. C'est parce que géographiquement, regardez, c'est pas évident. Donc, dans ce cas-là, c'est plus compliqué. Il faudrait vraiment qu'il y ait un effort européen pour dérouter ces populations vers cet endroit-là. Mais effectivement, c'est moins évident. Le plus évident, c'est l'Europe. De la même manière que pour l'immigration.
latine, d'Amérique latine aux États-Unis, c'est peu probable qu'ils aillent en Europe ou qu'ils aillent en Chine. Le plus probable, c'est qu'ils aillent aux États-Unis, parce que c'est, ils peuvent y aller à pied, quoi. Là, toujours pareil, si vous pouvez y aller à pied, ou en traversant un petit détroit avec l'aide d'un passeur, c'est pas pareil. Autre question ? Alors, on a une... oui. On a une demande de précision de la part de Vladimir von Humboldt qui nous dit « J'aimerais plus de détails sur l'avenir de la religion. » Ben quoi comme détail ? Parce que... alors, je, si je peux en donner quelques-uns, notamment alors, des choses que je parlais dans l'histoire du siècle à venir. Bon, alors j'ai expliqué, hein, néo-islam, j'y reviens pas. En revanche, l'avenir de la religion, effectivement, dans une civilisation A, qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors... Je pense que le christianisme, pour le coup, est pas mort, parce que même s'il a terminé sa phase de monothéisme politique, il peut avoir une dynamique, et il ne faut pas oublier, j'avais expliqué ça en détail dans l'émission sur l'islam, donc je renvoie à ça pour s'il y a des choses obscures dans ce que je vais expliquer, mais le christianisme, je le rappelle, est devenu un monothéisme politique avec Constantin, puisque Constantin a été un peu le prophète guerrier du christianisme, c'est lui qui en a fait une religion, qui l'a mis dans la situation de devenir religion d'État, qui a rajouté un côté guerrier en expliquant qu'il avait gagné une bataille grâce à ça, et qui l'a fait un peu changer de nature, alors que jusque-là c'était une religion vraiment qui se répandait par le prêche et par le martyre. Et donc en fait, l'effondrement... le christianisme n'est pas substantiellement un monothéisme politique, contrairement au judaïsme antique ou contrairement à l'islam. Le christianisme, c'est substantiellement une religion comparable, à mon avis, le meilleur point de comparaison, c'est le bouddhisme. Hein, c'est une religion fondée sur le prêche et la diffusion intellectuelle, spirituelle, mystique, mais pas guerrière, et pas autoritaire de l'État. C'est pas une religion qui vient régler et redonner des préceptes fondamentaux à une société en désordre, en phase de chaos, en lui donnant en particulier des préceptes de vie très, très basiques et très primitifs, et très, très durs et très simples. C'est une religion véritablement centrée sur le salut de l'individu et sur son développement personnel, on dirait, hein, ou son cheminement conscient. Et en ce sens, c'est beaucoup plus proche du bouddhisme. Donc c'est une religion qui, pour le christianisme, la fin de son parcours de monothéisme politique n'en fait pas une espèce de truc desséché et culturel, sauf peut-être pour certains Européens, parce qu'en Europe, ça a été une religion culturelle, hein, en tant que monothéisme politique. Mais pour tout un tas d'autres populations, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, le christianisme a plutôt son aspect, le même aspect bouddhique, c'est-à-dire de religion... profonde, et la disparition du monothéisme politique lui a permis de redevenir ça, ce qu'il avait jamais cessé d'être, par exemple en Perse, hein, où il n'est jamais été une religion officielle. Bon, donc le christianisme a encore du ressort et pourrait reprendre un essor justement en tant que simple religion, mais qui était comparable à son essor qu'il avait dans les premiers siècles de son histoire. Et en particulier, à mon avis, il a plus de chances d'obtenir ce succès que les religions, le bahaïsme ou le lamadisme, qui sont des religions qui ont quand même beaucoup de textes, hein, leurs prophètes ont pas mal écrit, surtout dans le bahaïsme. Et surtout, le problème, c'est que ce sont des prophètes qui se présentent comme prophètes ou réincarnation de Jésus, etc., mais qui sont des gens qui sont morts, comme tout le monde. Or, dans le récit, et qu'on y croit ou pas, hein, il y a quand même une chose extraordinaire avec la figure de Jésus-Christ, c'est que je pense que vous ne pouvez pas faire mieux comme argument mystique et de vente ou de conversion de la religion. C'est-à-dire que c'est un homme qui est Dieu, et il est mort et il est ressuscité. C'est un truc, vous ne pouvez pas faire mieux, vous ne pouvez pas faire un prophète qui fasse mieux. Mahomet n'est pas mort et ressuscité, et Mahomet n'a jamais dit qu'il était Dieu. D'accord ? Donc il n'y a que Jésus qui est ça. Donc faire venir un autre prophète qui est le même truc derrière, bon déjà il n'y en a pas. Dans le bahaïsme ou le babisme, les prophètes, je l'avais dit, le bab qui a précédé le bahaoula, dans l'émission sur l'islam, j'avais expliqué ça, est mort
Après avoir subi un parcours de vie qui était très similaire à celui qu'on voit du Christ, sauf qu'il est mort, tout le monde sait qu'il est mort, et il a un tombeau. Donc ça n'a pas donné une figure christique. Donc la figure du Christ, la seule figure comparable finalement, c'est la figure du Bouddha. Sauf que le Christ a quelque chose qui en plus est plus personnel, parce que malgré tout, le bouddhisme, ça reste toujours un petit peu compliqué à comprendre si on n'est pas de la culture locale. Ça nous est toujours un peu... On a tendance à dire en Europe, oui, c'est une philosophie. Non, c'est quand même aussi une religion, le bouddhisme, malgré tout. Mais c'est vrai qu'il y a un côté grand tout, réincarnation, tout ça qui va pareil, alors que le christianisme a quelque chose de très linéaire. Hein. C'est on vit, on meurt, on est jugé... Et ensuite, paradis, et par Jésus-Christ qui est... Donc, cette figure de Jésus-Christ fait que je pense que le christianisme a encore un avenir, et qu'il aura encore un dynamisme, et le christianisme peut être à nouveau la religion de la prochaine civilisation. Hein, soit en redevenant un monothéisme politique, en reconnaissant une autre sorte d'autre Constantin, ce qui est possible à partir du moment où il a fini d'être... je pense que... Où il a fini d'être... un monothéisme politique, je pense que ça... Et où il est redevenu ce qu'il était initialement, ben vu qu'initialement, il a pu devenir un monothéisme politique, je pense qu'il pourrait le redevenir. Localement, en tout cas, dans une certaine ère culturelle qui pourrait être celle de la nouvelle civilisation là. Mais il peut aussi devenir la religion majoritaire de, par exemple, la nouvelle civilisation là, sans en être... sans être un monothéisme politique, puisque après tout les Grecs, eux, ils avaient une religion qui n'a jamais été de nature monothéisme politique, me semble-t-il, en tout cas, hein, faudrait que je travaille peut-être plus la question, mais me semble-t-il que la religion n'a jamais eu cette place là. Donc voilà l'avenir de la religion que je vois dans ce sens là, et je vois pas ce que je peux ajouter là dans l'immédiat, sauf qu'il y a d'autres questions. D'accord. Une question de Rémi Galérien. Ne pensez-vous pas qu'une Pax Romana puisse advenir du fait que, de la mise en garde d'un gouvernement mondial qui empêcherait du coup l'apparition d'un nouveau Moyen-Âge ? Ben non, justement, ça serait parce que sinon il faudrait dire pensez-vous pas que l'Empire romain empêche l'apparition d'un nouveau Moyen-Âge ? Mais de fait, non, au contraire, il le provoque. Le fait d'avoir une structure centralisée qui tue l'innovation, qui crée une société de rente et de caste à l'échelle mondiale, parce que c'est forcément vers ça que ça évolue. Une société en paix, elle voit des castes se constituer, maintenir leur fortune pendant très longtemps. Et en caricaturant, vous avez les riches de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Bon, c'est toujours un peu caricatural de le dire comme ça, mais sur le long terme, c'est vrai que le capital a tendance à s'accumuler et à se concentrer et entre certaines mains. Et en général, ceux qui redistribuent ça, c'est les guerres, ces choses comme ça. Si vous faites une paix mondiale, ça va aller vers des tensions internes qui sont de plus en plus importantes. Et donc c'est la cause de l'effondrement, une des causes de l'effondrement justement, et donc elle ne peut pas l'empêcher. Elle essaiera, comme l'Empire a toujours essayé de se réintégrer. Il y a eu d'ailleurs plusieurs soubresauts d'effondrement de l'Empire romain, avec à chaque fois une reprise en main. Vous avez eu la reprise en main par Aurélien et Dioclétien à la fin de l'anarchie militaire du IIIe siècle. L'Empire romain aurait pu s'effondrer à ce moment-là s'il n'y avait pas eu Aurélien et Dioclétien. Et voilà. Mais finalement, il s'est restauré, il s'est effondré un petit peu plus tard. Voilà. Question de Marek P. Vous décrivez le cycle antique et vous considérez... concentrant uniquement dans le monde méditerranéen. Y a-t-il des cycles dans d'autres endroits en parallèle, entre parenthèses, Amérique précolombienne, Inde et Chine ? Alors, il faudrait que je prenne le temps de les étudier plus. De prime abord, parce que j'ai un peu regardé, j'ai pas trouvé de choses qui collent exactement pareil, et notamment vraisemblablement parce que ce sont des endroits qui ne présentent pas la configuration géographique, et j'ai expliqué à quel point la géographie avait un rôle dans la naissance de ces cycles-là, n'avait pas la configuration géographique qui permettait ça. Alors il y a des endroits peut-être où ça l'aurait permis, par exemple je pense que l'Amérique précolombienne, si elle avait pu évoluer encore pendant un moment, comme il y avait une multitude d'empires hein, qui auraient pu devenir des états-nations, les Aztèques, etc., les Incas, tout ça, ça aurait pu former un peu une chose comme une civilisation, ce qu'est normalement une civilisation là, sauf qu'ils se sont fait bouffer par les Européens qui sont arrivés avant.
Là, toujours pareil, ce que je vous expliquais, c'est le winner takes all, hein, c'est le gagnant qui prend tout. Donc c'est difficile de voir. En général, à chaque époque, c'est les civilisations gagnantes qui prennent tout. Et si on parle véritablement d'ère culturelle totalement opposée, où il n'y a pratiquement pas de contact, hein, comme entre l'Empire romain et la Chine, même s'ils se connaissaient, en Chine, je ne vois pas au sens interne de la Chine de trucs comme ça. Mais je pense que c'est notamment parce que les dimensions géographiques et la configuration géographique n'étaient pas adaptées pour l'apparition de civilisation A à cette échelle-là de civilisation. Je ne sais pas si ça c'est clair. C'est-à-dire que, vu la taille des royaumes de l'époque, même en Chine, la configuration géographique de la Chine devait forcément amener un empire. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment, hein, encore une fois, on va du plus déchiqueté. Vous avez très peu d'endroits qui sont aussi déchiquetés dans le monde entier que la Grèce. Hein. Vous prenez la Grèce, c'est véritablement pratiquement les côtes les plus déchiquetées du monde. Vous n'avez aucun endroit, je pense, où les choses sont autant éclatées en une multitude d'îles minuscules qu'en mer Égée. Et qui en même temps soit proche des premiers foyers de civilisation qu'étaient la Mésopotamie et l'Égypte. Donc je pense que c'est comme ça que ça s'explique, qu'il n'y ait pas d'autres choses qui soient apparues à part. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des civilisations importantes qui sont apparues à part de ces cycles, mais ils n'en font pas partie. Et ils s'intègrent qu'une fois que le cycle arrive à les intégrer en raison de son augmentation de volume, ce qui est le cas à l'ère moderne, pour les Amériques et l'Asie. Une question de Denis G4, quelle sera la nouvelle langue européenne dans le futur? Ah ben, aucune idée. Pour les Grecs, ça a été le grec, mais alors il y avait plusieurs dialectes grecs dans l'Antiquité. Je ne sais pas le grec qui a vieilli, je ne sais pas exactement dans quel rapport est le grec moderne par rapport au grec ancien. Est-ce qu'il a juste vieilli? Est-ce qu'il a reçu beaucoup d'apports de latinisme, par exemple? Je sais pas trop, il faudrait vérifier, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera pas exactement une des langues qui existent aujourd'hui. Ce sera probablement un mix d'une ou deux langues. Ça sera peut-être plutôt de l'anglais ou plutôt du je sais pas, plutôt du français, plutôt de l'allemand, peut-être un mélange des deux, je sais pas. Ça dépend aussi. Peut-être un mélange de toutes les langues européennes. Ça dépend aussi, par exemple, si on imagine la. Ça, c'est si on imagine l'Empire européen. Mais si on imagine qu'il y a, par exemple, trois nations, comme je disais tout à l'heure, un espace globalement germanique et scandinave, un espace slave et un espace latin, eh bien, vous auriez un gloubi-boulga qui se ferait d'une nouvelle langue, grosso modo latine, en mélangeant le français, l'italien, l'espagnol, et qui serait en plus des langues qui auraient vieilli, qui auraient pris 1000 ans. C'est très important dans l'histoire des langues, 1000 ans. Et pareil pour l'espace slave et l'espace germanique, par exemple. Une question de Tigran II, roi d'Arménie. Le national-socialisme peut-il devenir la nouvelle doctrine européenne après l'effondrement? Je vois pas comment. Doctrine européenne, déjà s'il y a un effondrement, il n'y a plus tellement de doctrine, encore une fois. On revient à un système qui est très féodal, où la place de la doctrine, elle est inexistante. Et si on imagine une Europe byzantine, je vois pas pourquoi elle serait national-socialiste. On pourrait avoir un régime qui est proche de ça, parce que ça sera un régime qui serait de toute façon impérial et autoritaire. Mais je veux dire, ça serait, ça ressemblerait autant au national-socialisme qu'à l'URSS, hein, qui était très proche dans le mode de fonctionnement d'ailleurs. Une question de Alker. Si une sorte de futur empire byzantin finissait par apparaître en Europe, pourrait-il exclure la France ? France, entre parenthèses, France devenue plus associée au Maghreb et à l'Afrique par sa population. Je pense pas, vu sa place démographique. Vu sa place géographique, on est trop au cœur de l'Europe pour être exclu d'un éventuel empire comme ça. Ça intégrerait ça. Mais vous aviez beaucoup de gens qui venaient d'Orient aussi, hein, en Grèce. Hein. Tout un tas de métèques à Athènes ou dans d'autres cités qui étaient venus, ou même des esclaves qui avaient été amenés. Donc la population grecque était métissée aussi. Hein. Question de Marek P.
Pensez-vous que la nouvelle Renaissance verra la redécouverte de la culture européenne contemporaine comme les humanités au XVIe siècle? Complètement. Complètement. On en parlera la prochaine fois, mais oui, tout à fait. D'accord. Bon bah, c'était tout. Bon, et eh bien écoute, je pense qu'en même temps, on arrive à notre heure habituelle de fin. Je suis en train de fatiguer. Après une semaine de travail, ça me fait terminer tard. J'espère que ça vous a intéressé. C'était une émission qui était assez amusante à faire. Je pense que la prochaine sera également intéressante. L'émission encore après, ce sera celle sur le cycle zéro. Après ça, peut-être qu'il faudra qu'on commence à réfléchir à une modification de format parce que je vous aurais dit à peu près une grande partie en tout cas de ce que j'ai brossé, de ce sur quoi je travaille depuis presque 20 ans maintenant en matière historionomique, et ça va être difficile de réinventer 20 ans de travail pour faire les émissions suivantes. Donc on va réfléchir à comment faire ça, si on passe plus sur des émissions qui tiendront du commentaire d'actualité géostratégique sur la base des premières émissions qui resteront toujours en ligne et consultables, et sur lesquelles j'aurai l'occasion peut-être de préciser des points. En tout cas, moi l'exercice m'intéresse parce que faire ces émissions et ces exposés, ça m'a amené à reprendre un certain nombre de points. Et d'ailleurs, vous voyez souvent, je vous dis de vous référer à mes livres, toujours bien sûr, pour aller voir le détail des choses. Mais il y a des choses sur lesquelles je rajoute des possibilités, des idées qui me viennent en plus, parce que le fait de remettre les choses sur le métier, ben, ça va bien dans le sens. Donc s'il y a des. Si vous commencez, si vous avez des idées, je vous invite à commencer à réfléchir à éventuellement la direction que vous voudriez voir prendre à cette émission. Toutes les suggestions sont bonnes parce que nous, on est en train d'y réfléchir déjà à côté avec Guillaume. Et puis, je préfère vous le dire maintenant avant qu'on soit au moment de commencer à changer un peu. Comme ça, on pourra se nourrir de vos idées pendant au moins le mois d'émission qui nous reste à faire, sur lequel le programme est bien arrêté. Voilà, Guillaume, je te remercie, je te souhaite une excellente soirée. Mettez Bah des pouces écoute, à toi bleus. aussi et à nos auditeurs aussi. Voilà, mettez des pouces bleus, partagez, dites-nous ce que vous en avez passé en commentaire, c'est très important pour le référencement et ça fait toujours plaisir. Je les lis avec plaisir et j'essaie de répondre aux questions. Peut-être que j'en rate quelques-unes, faut pas hésiter à les reposer dans ces cas-là, mais on essaie d'assurer le suivi dans les commentaires. Voilà, je vous dis à dans 15 jours pour aller un petit peu plus vers les étoiles, Guillaume. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.